amis joueurs, amis joueuses, si vous ne souhaitez pas que l'on vous croque, restez avec nous. Et si vous ne souhaitez pas que l'on vous privât de cette émission, alors... Bienvenue dans le Trick Track Show. Yes. Et pour cette émission un petit peu particulière, nous allons retracer l'histoire d'un célèbre bureau d'investigation. C'est pour ça que de ce bureau, nous accueillons les plus hauts gradés. Et vous aviez des indices dans l'introduction, n'est-ce pas, Croc? Il était pas bien, mon jeu de mots? Non, lamentable. Bon, il y avait aussi Grégory Privat. Bon. Pathétique. Oh, mais c'est pas... Heureusement, dans cette émission, il y a des chroniqueurs et chroniqueuses. Salut, Tarsa. Moi, j'apprécie beaucoup tes jeux de mots. J'en suis incapable. Moi, j'apprécie le soutien de Tarsa. Mousse, mes jeux de mots, qu'est-ce que t'en penses? C'est de la merde aussi. Mousse est là, vous l'avez vu. Et notre maître Capello, je ne me lasse pas de ce titre. Salutations, François. Maître Capello, personne ne sait qui c'est. Hein. Tu en es conscient. Sur Google, maître Capello, vous allez comprendre très vite. Ouais, tes jeux de mots, j'ai légèrement pouffé. Il a pouffé. Bon, Tarsa, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je pourrais lancer le générique des actus? Allez, il y a des choses à dire. Les génériques des actus. Et nous allons commencer par nous projeter dans une version cyberpunk, donc un peu futuriste, de quelque chose japonisant qu'on avait déjà vu pour Magic the Gathering. C'est ça, Tarsa? Exactement, on va parler de Magic, c'est l'actu du moment. Magic, c'est le grand frère de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, voilà, c'est un jeu de Richard Garfield qui a fait King of Tokyo, Keyforge, et c'est l'As d'or en 96. Voilà, ça vous remet un petit peu ce qui est Magic. Tous les trois mois, il y a des extensions qui sortent. Vous savez que dans Magic, il y a des multivers. On va aller sur des plans différents. Et nous allons retourner sur Kamigawa. Kamigawa, c'est un bloc qui était sorti en 2004 et qui se passait dans le Japon féodal. Et ça n'a pas été très apprécié. C'est pas un bloc qui a été très apprécié à sa sortie pour des illustrations qui étaient un petit peu... qui cassaient un peu avec les habitudes, qui n'ont pas beaucoup parlé. Des capacités qui n'étaient pas très... et puis qui étaient un petit peu parasites, isolés, qui ont été vraiment que dans ce bloc, qu'on n'a pas retrouvé après. Et puis des cartes intrinsèquement pas très bonnes. Allez, voilà. Bim. Et donc là, on est quand même 18 ans après, alors s'opère une petite nostalgie, une petite curiosité, puisqu'on revient 1200 ans après sur Kamigawa, donc comme tu dis, futuriste, cyberpunk, et on est entre tradition et modernité. Alors, dans les illustrations d'abord, puisque vous allez à chaque fois avoir trois versions d'une carte, la version classique de Magic, une version manga et une version sans texte. Et puis, il y a ce choc tradition-modernité aussi dans les capacités qui vont être reprises, le ninjutsu, le transfert et amélioré. On retrouve évidemment les dragons légendaires, on va retrouver des samouraïs, les ninjas, etc. Et surtout, ils mettent l'accent sur le côté mecha, donc les machines qui sont... Le concept des véhicules pilotés par des créatures. Et on retrouve un peu ça dans les artefacts qui pourraient être la modernité. Et on a face aux enchantements qui pourraient représenter le côté spirituel, ancestral, voilà, avec les arcanes. Qui va bien dans le thème. Qui va bien dans le thème. Et finalement, c'est représentatif un peu de Tokyo, qui est très en avance, enfin, qui est très moderne, qui est en avance technologiquement et en même temps empreint de beaucoup de traditions. Voilà, donc c'est un choix qui divise, parce que ça casse un peu avec les habitudes, il y a une impression un peu de fanservice. Magic avait déjà fait des crossovers avec les kaiju, tu sais, en Ikoria, avec les gros monstres à la Godzilla, avec Donjons et Dragons, voilà. Donc, mais voilà, c'est une rupture avec les habitudes, mais moi je trouve que ça montre une envie de Magic aussi d'explorer plein d'univers. Ils le font à fond, donc la plupart des illustrations alternatives ont été réalisées par des artistes japonais. Donc vraiment, ils essayent à chaque fois de pousser un peu le truc, de creuser, etc. Et puis ça peut ouvrir Magic à un nouveau public. Alors pourquoi du coup, une extension qui est annoncée, ça veut dire qu'on a commencé déjà à découvrir les cartes, c'est oui, même jouable alors, en ligne? Il y a des cartes à chaque fois, donc ils paraissent, ils font ça un petit peu, ils nous teasent, donc ils nous sortent quelques petites cartes, on a pu évidemment se renseigner. Ça sort officiellement le 18 février, mais c'est disponible sur MTG Arena, Magic Arena, qui est la plateforme dématérialisée du jeu. Et si jamais vous voulez découvrir le jeu, si l'univers vous plaît, eh bien il y a plein de tutos. Voilà, j'ai aussi fait des tutos, il y a plein de YouTubers qui font plein de tutos, et honnêtement, bah, il faut sauter le pas. Magic, finalement, ça peut faire un peu peur, mais voilà. Moi, je vous conseille de jouer
Avec Kamigawa. Avec Kamigawa. Ça s'appelle la dynastie Néon. J'ai même pas nommé l'extension. La dynastie Néon, voilà, qui revient sur Kamigawa. On retrouve une Planeswalker, l'impératrice vagabonde, que l'on avait déjà découvert il y a 18 ans. Elle est toujours là. Les dragons légendaires, alors j'en ai noté deux. Hein, Kura, le ciel infini. Et puis Ao, le ciel de l'aube. A priori, ça fait partie de ces cartes. Si vous les voyez passer, si vous les sortez d'un booster, ne les ratez pas. Est-ce que Kamigawa, François, toi, tu avais connu moi, la première extension? Un Magic, j'ai mon jeton des 25 ans de sobriété, donc... donc tu ne reprendras pas dedans? Non, non, non. Croc, Grégory, vous y jouez à Magic? Moi, j'ai acheté le tout premier starter qui est arrivé à Toulouse dans la première bouteille, le premier carton en anglais, etc. Je l'ai acheté un vendredi soir, j'ai regardé ce que c'était pendant le week-end, j'ai regardé mes étagères pleines de jeux et de figurines, et le lundi, je l'ai revendu. T'as dit stop, c'est ouais, trop. Voilà, j'ai compris. Croc, t'en as beaucoup fait. J'en ai beaucoup fait au tout début. Et là, j'ai rejoué pour la version Donjon Dragon. J'ai refait quelques drafts avec un ami, le seul que j'ai d'ailleurs. non, le seul joueur de Magic que j'ai. Ah, j'ai eu peur. Tous les autres sont disparus. Et j'avais bien aimé. Ça reste quand même le problème que. J'ai beaucoup d'argent. Mais c'est le problème qu'au moins une partie sur trois, c'est soit pas de terrain, soit trop de terrain. Au moins une sur trois, quoi. C'est au ça. Moins une. Alors, c'est pas grave. Magique. Quand tu joues avec des potes, quand tu joues dans une soirée avec tes potes, tu fais bon, celle-là, elle est morte, voilà. On arrête. Toc, toc. Mm-hmm. La prochaine, si c'est pas un terrain, je meurs, hop. Mais si tu joues sur Arena ou si tu joues dans des tournois, des trucs comme ça, c'est un peu... C'est un tout peu, le sel du jeu, la RNG et le skill. Est-ce que vous faites des avant-premières quand il y a des extensions comme ça qui sortent? Non, il y a trop de gens. Moi, j'aime beaucoup, si jamais ça peut vous donner envie, les avant-premières en boutique, en fait, je trouve qu'il y a à chaque fois une ambiance qui est justement pas forcément celle des tournois. On va rencontrer des parents et leurs enfants, des couples, et ça permet de découvrir les cartes. Et de découvrir du monde, et c'est pas la même ambiance que les tournois, voilà, c'est beaucoup plus... les avant-premières. Des AP. La théorie aussi sur l'utilisation des terrains, d'après ce que disait Garfield, c'est qu'il voulait absolument que ça soit ça, et pas que, par exemple, comme dans certains jeux, que chaque tour, t'es un point, rajouter tout ça, comme à Hearthstone ou des trucs dans le genre. C'est qu'il voulait que le champion du monde, avec son deck à on va pas dire un million, on va dire à 5 000 $, puisse battre un enfant qui vient de prendre son premier starter. Et c'est vrai qu'en ça, il a raison. Ou se faire battre, si... ou le contraire. Le contraire, plutôt. Bref, voilà, vous m'avez compris. Mais on a compris. Donc, ça marche, mais vachement souvent, d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est bon. On verra. Et si sur le long terme, les champions, ils sont quand même champions. Parce qu'après, quand tu savoir le temporiser, ton deck aussi. Il faut savoir le piloter, quoi. Et puis connaître les cartes adverses et réagir. C'était notre première actu. La deuxième, nous vous en avions déjà parlé. Et on arrive maintenant au moment un petit peu crucial. On approche tout doucement de ces As d'or. Qui va l'emporter? Qui va l'emporter dans les différentes catégories. Et nous nous livrons aujourd'hui devant vous, sans filet ou presque, à un petit jeu, le jeu des pronostics commentés avec gages. On va déjà faire un petit peu le petit tour des gages. Celui d'entre nous quatre, et on en discutera un petit peu avec Grégory, avec Croc, qui se sera approché le mieux des gagnants des As d'or, aura donné un gage aux autres. François, qu'est-ce que tu nous donnerais comme gage si c'est toi qui l'emporte? Celui de venir chacun avec un couvre-chef différent qui n'est pas un chapeau, ni une casquette, ni un bob. Ah, tu le payes parce que moi j'en ai pas. Alors moi je sais déjà, j'aimerais bien ton gage. Okay. Je pense, mais bon. Mousse. Franchement, j'ai pas pensé, mais je vous ferai manger un truc dégueulasse, je pense. Ah, j'y crois pas, je déteste ça. La cervelle. Écoute, j'avais pensé au couvre-chef, mais par contre, comme évidemment tu le sais, je suis très fan de Disney. Ouais. Je vais vous faire porter un chapeau ou perruque, un truc Disney pendant toute l'émission. Ça peut se faire. Moi, de mon côté, si c'est moi qui l'emporte, je l'ai fait chanter à un moment donné ou un autre, une bonne petite chanson ou un vieux générique de dessin animé, ça va être excellent. On va tout de suite passer à ses pronostics As d'or. François, tes pronostics? Enfant Bubble Story, As d'or Seven Wonder Architect, Initié Nouvelle Contrée, Expert Les Ruines Perdues de Narak. Je tiens à signaler que ce ne sont pas forcément mes préférés, mais c'est ceux dont je pense qu'ils risquent de gagner. Et alors c'est là où, pronostic, on n'a pas demandé quoi que ce soit. Hein. C'est soit ceux que vous préférez, soit ceux que vous pensez qu'ils vont gagner. Mais tu as le droit de dire tes préférés, même si tu penses qu'il n'a peu de chances de gagner. Mousse, je sais que les prix ne sont pas... Non, je m'en fous de ça. Mais
T'as peut-être une idée côté enfant? Oui, Attrape Monstre, parce que c'est le seul qui me parle en Amérique Trasher que je suis. Après, Dune Imperium en expert, Les Nouvelles Contrées, parce que c'est super frais. Et puis, Architect. C'est mon Wonders Architect. Parce que la boîte, elle est jolie, très sincèrement. Oui, Happy City, j'aime pas. J'espère qu'on va pas manger un truc dégueulasse. Allez, Tarsa. Moi, chez les enfants, j'ai préféré Bubble Stories. Je trouve, enfin, moi, je voulais parler un peu de cette catégorie pour enfants, même si on aura le temps d'en reparler plus tard, parce que ça reste quand même une catégorie qui est importante. Alors, évidemment, pour le public qu'il cible, j'entends. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à tester les jeux avec ma fille. Voilà. Donc, on a beaucoup aimé ces petits jeux d'exploration. Je trouve que c'est un unlock sans les énigmes et finalement, stimuler vraiment ce côté exploration, observation. Mais Attrape-Monstre, elle est très chouette aussi. C'était des bons jeux. C'est tous des bons jeux. Et même Pimpon, il est chouette. Ben, Pimpon, il a une petite scénographie. En tout cas, Bubble Story pour toi. Pour moi, c'est Bubble Story. C'est très, très chouette. En tout public, je pense Seven Wonders Architect, qui est quand même un gros... Voilà, qui est un peu le mastodonte de cette année-là. J'ai trouvé Happy City très chouette. Parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai effectivement fait mon Hermione Granger. Je jouerai à tout. J'ai fait un tunnel et j'ai joué à tout pour pouvoir en parler. Et moi, c'est Carte Aventura que j'ai un tout petit peu moins aimé, mais vraiment dans mon expérience de joueuse. Il m'a un tout petit peu ennuyé et je me suis dit que je ne l'aurais pas forcément mis là, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. En initié, pour moi, c'est Living Forest. Qui va l'emporter parce que enfin qui va l'emporter je le souhaite et parce que Nouvelle Contrée je me suis hyper amusée avec ce jeu là mais je l'aurais pas mis en initié. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Pour moi, c'est un jeu tout public. Ultra était très chouette, mais Living Forest, on est sur le deck building avec le stop ou encore, il est très cool. Et il est sur BGA, si jamais vous voulez le tester. Et puis, je rejoins l'ami François en expert. Je pense que ce sera Narak. J'ai trop aimé Narak un jour pour ne pas voter pour lui, mais même si je pense que les autres jeux sont... j'ai trouvé Iki trop expert, très expert. Ah, Iki, tu l'as trouvé... Alors, pourtant, il est dans la catégorie expert. Oui, mais je trouve que c'est pour ça que c'est bien. J'en parlerai un petit peu avec vous après. Expert, c'est normal. Mais sur quel jeu on a envie de mettre un Macaron est expert. Est-ce que plutôt sur Narak, parce qu'on aurait envie de dire à des initiés plus, c'est par ce jeu-là que peut-être vous pouvez commencer à jouer au jeu expert. Voilà, Iki, j'ai trouvé qu'il était, très très complexe. Après, Iki, c'est chelou, hein, parce que c'est 2015 quand même le jeu. Ah oui, c'est un gros travail de réédition. C'est la VF, il n'existait pas en VF. Cette édition-là n'a rien à voir avec la précédente. Il y a tellement de retravail. Et puis, il y a une VF, donc ça met fin entre... Enfin, ça met fin, non, il y a toujours moyen d'en discuter, bien sûr. Mais c'est la première fois que le jeu arrive en VF, disponible sur le marché français. Mais moi, je trouve que les hasards, c'est important, parce que je pense que c'est... Mais t'as aussi de penser que... C'est une vitrine, je trouve que ça fait un peu rayonner aussi le domaine du jeu. On va poser la question à nos invités. Alors, du côté des enfants, entre Attrape-Monstre, Bubble Story et Pimpon, je préfère effectivement aussi Bubble Story pour ce que ça apporte par rapport à la cible en termes carrément. Absolument. Alors, originalité, le mot est un petit peu grand peut-être, mais dans cette façon narrative d'amener une histoire à raconter à base d'images. Dans les initiés, parmi Living Forest, Nouvelle Contrée et Oltré, ça sera Nouvelle Contrée. Je rejoins Mousse sur cet aspect frais. Jouer avec des livres, voilà, waouh. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, allez-y, montrez qu'on peut vraiment tout faire avec un jeu de société. Expert entre Dune Imperium, Iki, A Game of Edo Artisan et Les Ruines Perdues de Narak. J'ai envoyé mon pronostic en disant Narak, parce que je me dis, oui, quand même, en ayant entendu, et puis tant pis. Non, je mets Dune Imperium, parce que, aussi bien pour l'ensemble des mécanismes que pour la thématique, qui est bien travaillée dans le jeu, je crois que Dune Imperium peut être considéré, même s'il est un peu plus simple, entre guillemets, en tant qu'expert. Et dans la catégorie Reine, entre Seven Wonders Architect, Carte Aventura et Happy City, j'aimerais que ce soit Happy City pour ce côté extrêmement accessible. Et donc, du coup, si l'objectif des As d'Or est de dire si vous ne deviez en acheter qu'un, achetez Happy City pour découvrir un petit peu quelque chose, je dirais oui, Happy City, mais de cœur, ou plutôt côté joueur, Seven Wonders Architect, il y a quelque chose de juste un peu waouh. On en vient à la question principale avant de discuter, parce que je vois que Tarsa avait deux, trois petits éléments à... les prix, vous les suivez, Croc, Grégory, vous dites c'est important, Oui, moi, c'est un peu mon métier, donc quand même. Hein. Oui, mais alors, côté métier, soit, mais est-ce que toi, en tant que joueur, tu as besoin... Du tout. Voilà, d'accord. Tu en as besoin sur l'aspect professionnel, les courants, où va le public, comment est-ce que le jury... Oui, c'est ça. D'accord, OK. Mais non, personnellement, non. D'accord. Greg ? Moi, c'est le Graal d'Or que je suis, en fait, qui se passe en même temps et qui a un prix qui récompense les jeux de rôle les jeux de rôle français, etc. Alors c'est rigolo parce que toi qui es très rôliste, on peut se dire, bah oui, mais tu les connais les jeux de rôle. En quoi est-ce que le prix, c'est intéressant, en quoi est-ce que le prix va t'attirer?
parce que j'ai des copains qui se bagarrent. Enfin, ils se bagarrent pas du tout. Oui, parce non, mais que je... c'est pas okay. ça, mais c'est pour voir voilà, okay. si, okay. qui va c'est l'avoir côté, et ainsi de suite. Ouais. Sur ce côté sélection, mm-hmm. est-ce que Tarsa posait la question, nouvelle contrée, pourquoi initiée et pas familiale? Je trouve que. Je sais que c'est par rapport à la règle, mais je me suis dit, au final, quand j'y ai joué, ça ne demande pas des aptitudes de joueur initié. J'ai l'impression que tout le monde pourrait y jouer. C'est quand même un jeu presque. Enfin, c'est un jeu d'ambiance, ça ressemble à Dixit, ça ressemble à Mysterium, quoi. Ouais. La règle est beaucoup plus compliquée. Mais la règle est complexe. Je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas la re-rédiger un petit peu mieux que ça? Et puis peut-être aussi faire confiance aux gens. Parce qu'à force de tout niveler vers le bas comme ça, ils sont capables aussi de lire une règle et de comprendre qu'on va juste lire 6 lignes d'un livre et tenter de trouver l'image qui ressemble le plus. On n'est pas sur du Living Forest ou du Old Trey, quoi. Je comprends. Mon expérience me dit, m'insuffle que si je dois classer un jeu, je le classe dans la situation où la personne ou les personnes qui le découvrent sont seules. D'accord. Donc, quelqu'un de non initié à un jeu de société, bien sûr, peut tout à fait prendre le jeu, le découvrir, les règles, etc. Et ça pour presque tous les jeux, en prenant les choses petit à petit. Mais pour avoir entendu tellement de gens découvrir un jeu, prendre la règle, flipper, puis, ah ouais, mais non, ça va être compliqué là, et presque d'emblée déjà poser le jeu. J'aime toujours pas lire les règles. Et donc, du coup, je me dis, oui, cet obstacle-là tranche, et donc, de facto, l'amène côté un petit peu plus. Moi, je vais plus regarder ce qu'on nous demandait. Et ça, tu rajoutes à l'objet jeu de société l'objet livre. Mmh. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont peur des livres. Oui, mais... Donc, tu rajoutes un obstacle de plus. Il y a plein de gens qui n'ont pas de livres et puis qui sont très joueurs. Il y a plein de gens qui ont plein de livres qui ne sont pas joueurs. C'est vrai. Puis si tu n'as aucun livre chez toi, a priori, tu ne vas pas l'acheter, le jeu. Il y a peu de chances que tu y joues. C'est le moment de se mettre à la bibliothèque. C'est le moment de t'acheter un petit bouquin que tu aimes bien. Moi, j'ai joué avec Harry Potter et avec un Agatha Christie. Je trouvais que c'était très chouette. J'ai énormément rigolé. Ça fédère, hein. C'est un jeu qui fédère beaucoup. Ouais, moi, je l'ai vu à la Ludo, les mecs, ils sont bien groupés ensemble, ils rigolent et tout. Et puis, je trouve que ça peut varier aussi par rapport avec qui tu joues. L'ambiance ne va pas du tout être la même. Tout à fait. Voilà, j'ai trouvé que c'est plus de l'ambiance. C'est là où Croc, du coup, tu parlais côté pro, comment on peut essayer de classifier les jeux, justement, et sur base de quoi, on va dire, initié, expert, familial, plus, machin, etc. Enfin, comment... Alors, c'est vrai que plus ça va d'année en année, plus le niveau de difficulté dans les classifications descend. On voit ça avec le Spiel, c'est évident. C'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont arrivés et qui... Donc, le niveau général... pas le niveau des joueurs, parce qu'on peut être aussi... Mais le niveau de connaissance. Le niveau de connaissance du jeu réduit. Et là, je pense que le problème pour Nouvelle Contrée, c'est que c'est un jeu original. Et comme donc ça fait appel à des mécanismes qui ne sont présents dans aucun autre jeu, le fait d'avancer de 50 pages, prendre le camp de base, d'avancer les trucs, voilà, les gens sont moins habitués. Si tu avais une énième déclinaison de Carcassonne ou de choses dans ce genre-là, piocher une carte, récupérer une tuile, tourner une tuile, tout ça, les gens sont habitués à ces termes et à ces machins. Okay. Comme tout ça, c'est nouveau, je pense que c'est pour ça qu'il a été classifié à cet endroit-là. Ouais. Je ne suis pas sûr, en effet, que je ne l'aurais pas mis dans les familles quand même. D'accord. Mais bon, voilà. Parce que moi, j'ai trouvé ça assez clair quand même. Hein. Voilà. Et puis bon, après, je regarde ce qu'on te demande dans le jeu, voilà. Et ça ne demande pas d'être joueur. Et je me suis dit, on a tous dans notre entourage des gens joueurs, des gens moins joueurs, et j'avais l'impression que tout le monde pouvait jouer à ce jeu-là. Mais bon, voilà, j'entends bien qu'il y a la barrière de la règle aussi. Mais ça, moi, ça me pose la question de l'Asdor, est-ce que c'est pour récompenser dans une catégorie un jeu, et puis qui, une maison d'édition, des auteurs, ou est-ce que c'est vraiment pour aiguiller un acheteur, un joueur qui cherche? C'est peut-être pour ça que moi je mets sur Narak en me disant si je devais proposer un gros jeu, parce que il y a quand même du matos, deck building, gestion de ressources et compagnie, j'irais plus vers Narak pour dire à quelqu'un, voilà, ça, c'est complètement, je donne un avis complètement. Avec le nombre de sorties qu'il y a, complètement où apparemment subjectif, tu trouvais que 10 jeux, tu disais ouais tu peux prendre ça et ça. Maintenant, c'est le fossé, il est abyssal. Choix, Le fossé est abyssal. Mais c'est là où, du coup, et je rejoins un petit peu ce que tu disais, Mousse, par rapport au prix, ils ont aussi différentes orientations possibles, parfois un peu le mélange de ces orientations, et c'est ce qui donne l'aspect très complexe, c'est ce qui fait que ça s'écharpe sur les forums de connaisseurs. Une fois encore, on parle du forum et le prisme déformant du connaisseur. Ça s'arrache les cheveux sur telle nomination, telle catégorisation, etc. Il y a des guerres. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup, et ceux qui connaissent, on peut discuter, pinailler, celui-là, il est plutôt initié, expert moins ou initié plus, etc. Mais ça, tu l'as dans toutes les catégories. Tu
Ouais, ouais, le cinéma, c'est pareil. Tu vas voir un film, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Pourquoi c'est nommé? Enfin, sans c'est... parler des oubliés, ceux qui déplorent ceux qui ont été, nommés. Donc, il y a un, cette personnalité du jury et cette orientation en disant, il y a la profession et donc, du coup, il faut être en lien avec cette profession. On ne peut pas non plus sortir quelque chose d'un chapeau comme ça. Donc, il y a le lien avec la profession, mais il y a bien évidemment l'objectif, le lien avec le public à qui se destine le prix en disant, ben, il faut réussir à danser sur les deux pieds pour que les joueurs s'y reconnaissent un tant soit peu. Alors, c'est vrai, Croc, tu le disais, le Spiel des Jahres et même le Kenner Spiel, donc les jeux experts, il y a eu des joueurs et tout pour dire, ben oui, mais ce niveau, et on le voit d'ailleurs graphiquement, entre guillemets, en prenant les niveaux de complexité de BGG ou autre, et effectivement, on sent que ce niveau de complexité descend. C'est normal. Mais c'est normal, ouais. Bah, effectivement, puisqu'il s'adresse à un public de plus en plus large. Bah, bien sûr. Prends le plus petit dénominateur commun. Bah, tu ventiles après, c'est automatique. Hein. C'est automatique. En tout cas, résultat, le 24 février, lors de la cérémonie de remise des As d'Or, qui sera en direct, mais à distance, avec les gens de Etu Games, présentés pour la France sur la scène, en tout cas par Simon de la boutique du Passe-Temps et par Martin Wittberg d'Un Monde de Jeux. Et puis, ben, nous, on se retrouvera la semaine d'après et vous verrez qui doit se manger les gages. Qui va manger ou porter un truc, on ne sait pas. On ne sait pas encore. En attendant, nous, on passe à la rubrique suivante. Bien évidemment, nous avons joué. Et encore joué, on vous en parle dans On en pense quoi. Et le premier jeu est presque une sorte d'avant-première. Nous sommes chez Pretzel Game. Pretzel Game, c'est un studio de la petite galaxie Plan B Games, fondé par Sovic Ravel en 2016. Normalement, Plan B, si on vous dit Azul, ça devrait commencer un petit peu à vous parler. Là, on est sur un... pas un premier jeu, puisque Michael Lou a déjà sorti deux jeux chez Schmitt. J'ai du mal avec tous ces H. Il y avait un jeu du côté de Mission ISS et Robin Run, où il y avait déjà un petit peu ce côté tournant. Pourquoi je parle de ce côté tournant? Parce que dans ce jeu, illustré par Chris Williams, l'illustrateur que je trouve polymorphe, parce qu'il arrive à faire des trucs hyper différents en termes d'illustration, nous propose un jeu où ça va tourner sur le plateau. Nous avons des yaks qui tire des chariots, et là on est quasiment, on pourra en discuter avec Mousse, avec Croc, on est quasiment dans le jouet. C'est-à-dire que les trucs, ils sont gros, ils ont un poids, ils tournent, les roues tournent vraiment, et on est presque dans du jouet. Ces chariots vont s'arrêter devant nos yourtes, et nous on va essayer de choper des pierres ou des ressources, en l'occurrence ici de la nourriture, pour construire un monument pyramidal en pierre avec des couleurs, des ensembles de couleurs de la même couleur ou plein d'ensembles différents pour marquer des points. C'est extrêmement familial, ça se joue de 2 à 4 joueurs, les parties durent environ 40-45 minutes à partir de 8 ans. Et ça arrive plutôt côté mars-avril, aux alentours de 39-90. Donc on est un petit peu en avance, mais pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Bah, d'une part parce qu'on a reçu la boîte et qu'on a pu y jouer, et d'autre part parce que ce sera disponible en jeu au Festival International des Jeux de Cannes. Donc vous pourrez vous aussi le découvrir un petit peu en amont. On y a joué, d'ailleurs on y a joué aussi avec Tarsa, François, etc. Et j'ai été surpris derrière un flick-em-up qui était chez Pretzel Game avec de la pichenette, cow-boy, zombie, etc. Quelque chose d'un petit peu plus... parce que Pretzel Game, c'est le jeu auquel on peut jouer avec un pretzel dans la main. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai, hein, tu fais tourner ton yak ou alors tu récupères un truc. Il n'y a pas d'intérêt à jouer avec ça aussi. Voilà, bon. Et je ne m'attendais pas à quelque chose d'extrêmement familial. J'ai trouvé ça très familial. Ça ne veut pas dire déplaisant, mais avec la couverture et tout, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, consistant. Non, c'est vraiment... Tarsa ? Oui, moi j'ai trouvé qu'on a passé un très bon moment. Tu quand même, t'anticipes un petit peu quand même à collectionner tes choses. Il y a un peu de chance parce que tu peux changer le tour de, avec jeu. Le brouillard, à cause des brouillards, ils partent dans l'autre sens. Oui, oui, non, il est très très sympa. Voilà, c'est Yak. Alors du coup, moi la question que j'avais quand même envie de vous poser, même côté éditeur, il n'y a pas un moment, cette course aux pions de luxe, au matériel, etc., ça ne va pas faire un petit peu too much, même écologiquement parlant ? Oh là, écologiquement ? Nous, personnellement, on déteste les ours blancs. Plus vite ils crèvent, mieux c'est. Mais sinon, c'est pour ça qu'on suremballe les trucs, tu vois, t'as remarqué. Donc là, plus il y a de plastique, mieux c'est. Hein. Non. Si on pourra se débarrasser des baleines et tout. Ah bah les chariots, non, ça va te non, plaire. Pour en revenir, pour être un peu sérieux, je pense qu'il y a tellement de jeux qui sortent qu'il faut que les jeux se fassent remarquer. Ah oui. Et on est à peu près dans la robe en viande de Lady Gaga. C'est que Lady Gaga, elle chante bien.
Sauf qu'à un moment, il faut qu'elle sorte du lot. Donc, avant d'être hyper connue, il faut qu'elle mette une robe en viande. Et là, bon, bah là, ils ont mis des pions parce que pour donner la chance au jeu, oui, que ça. Alors après, moi, j'y ai pas joué, donc je peux pas savoir, mais que s'il est bien, grâce à ce gimmick-là, eh ben, le jeu va atteindre assez de gens qui vont y jouer pour que la machine soit lancée et que ça devienne éventuellement un classique un jour. Ouais. Là, en l'occurrence, François, on est d'accord. Tu installes les yaks avec le chariot, la nourriture dedans, les pierres et tout. Tu fais hey, « waouh, attends !» Et puis tu vois les joueurs le faire tourner, se le passer. C'est très joli. Après, c'est un piège qui prend 5 minutes. Hein, mais passé là, tu t'occupes quand même de ce qui fait le jeu, corps et le cœur du jeu, c'est-à-dire la mécanique. Il y a aussi l'intérêt de jouer, de voir le jeu sur des salons. À partir du moment où les jeux sont très plats sur les salons, ils sont moins visibles. À partir du moment où il y a des trucs en volume, les gens sont plus intéressés. Ça permet aussi de faire des jeux surdimensionnés qui sont plus agréables. Claque. Bah oui, bien sûr. Mmh. Ouais. François était moins fan que toi des petits chariots. Guillaume, il tournait, il chantait, il faisait tout, 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 tout. Ah, il a adoré tourner les petits chariots. François, il tournait pas de chariots. Mais attention, et Guillaume est pas un gros gamin. C'est un très bon jeu d'initiation au jeu de pick-up and delivery et au jeu de gestion de ressources. Ouais, et en même ce sens, ça me semble avoir un bon positionnement familial pour jouer d'introduction à des jeux un petit peu plus... costaud ensuite. Un jeu passerelle, un jeu getaway. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de photographie. Et qui dit photo dit téléphone, et qui dit téléphone dit aussi jeu avec le cliché du siècle. Est-ce que vous avez joué, vous, à ça ou pas du tout? Oui. Non. Non. Oui. Non. Est-ce que vous aimez prendre des photos ou pas du tout? Non. Non. Ok. C'est pas grave. C'est fait. Ça sera de toute façon court. Le cliché du siècle, c'est d'Anthony Nouveau. C'est un jeu qui a été primé au concours de Boulogne. C'est de 2 à 4 joueurs pour des parties qui vont avoisiner les 45 à 60 minutes. Ça vaut une 30aine d'euros. C'est chez Don't Panic Games. Alors, le cliché du siècle, petit pitch, c'est quoi? Vous allez jouer un photographe qui va essayer de prendre le meilleur cliché autour de la table. Et pour ce faire, ben, vous allez avoir des protagonistes qui vont vous dire « Non, moi, je veux être à côté de la table. Moi, je veux pas être à côté du chien parce qu'il pue, moi je vais être à côté de la plante parce qu'elle est jolie. » Et avec toutes ces contraintes, il faudra positionner justement les personnages. Ces personnages, à la fin de partie, vont vous donner une zone de scoring avec plus ou moins de points. Et avec votre photo à la fin, vous allez essayer de prendre, comme le nom indique, le cliché du siècle. Vous allez avoir l'extension en avant-première qui vous permet de jouer avec des célébrités comme Charlie Chaplin, etc. Laurel Hardy aussi, je crois, de mémoire. Qui justement vous un peu s'accaparer la lumière et qui vont un tout petit peu complexifier les choses. Il y a aussi cette boîte qu'on n'a pas sortie parce que elle n'est pas si intéressante. Vous pouvez jouer de 5 à 6 joueurs. Et pourquoi je vous dis elle n'est pas intéressante? Parce que au-delà de l'aspect super frais qu'on peut trouver dedans, et moi j'ai apprécié mes parties, j'ai vite ensuite vu qu'on jouait chacun de son côté. Quoi. Ok, c'est quoi tes mecs? Alors moi, mon mec, il va être à côté de la plante, il va être aussi à côté de la table. Ah, super! Et passé de ça, il y a zéro interaction, on joue dans son coin. Le scoring à la fin est très complexe, c'est lourdingue. Moi, franchement, à la fin, je me suis dit « Oh là là, faut se retaper encore ça et tout ». Donc voilà, c'est sympa au début. Et à la fin, quand on doit compter, quand on doit reprendre l'ensemble des enveloppes, on se fait « Oh, calvaire monumental ». Donc à 5 et 6 jours, franchement, moi, j'ai des conseils. Parce qu'à 4 jours, ça commence déjà à être un peu chiant vers la fin quand même. Et donc 5-6, à part si vraiment vous adorez le jeu et auquel cas, allez-y. À la limite, prenez cette extension qui est plus sympa que l'autre, parce que là, c'est une vraie extension. Mais sinon, voilà, je voulais en parler parce que pour une fois, c'est un truc qui m'a un peu, qui sort un peu de l'ordinaire en me disant, tiens, c'est sympa, on joue avec le téléphone, etc. Mais si vous, il y a des mecs qui jouent pas avec le téléphone. Hein. Ils non, t'es pas obligé. Ouais, mais c'est un peu débile, quoi. Du coup, ah parce que je me suis dis, le cliché du siècle, t'as pas ton téléphone à la fin pour la photo finish. La photo. Qu'est-ce que tu fous avec ce jeu, quoi? Eh ben, alors, c'est, ça sert à rien. C'est là où, pour l'avoir découvert, du coup, pendant qu'il était à Boulogne-Billancourt, je faisais partie du jury l'année où il y était, donc pour l'avoir primé. Ce côté déduction, alors ça tombe bien, on va parler un petit peu des jeux de déduction, jeux d'enquête, mais ce côté déduction, c'est-à-dire que il y a plusieurs conditions qui sont mises dans chaque enveloppe de personnage. Il y en a 3. Voilà. Et ces conditions-là donnent la position optimale de ce personnage. Et dans la façon d'échanger les informations, pas toujours maîtrisé. Franchement, il n'y a pas toujours maîtrisé. Mais l'objectif est de rester à garder de l'information en disant pourvu que celle-là, il ne l'est pas, parce que comme ça, ils vont faire un petit peu du hasard. C'est un des nerfs du jeu. Il faut absolument faire de la rétention d'informations. Bah oui, sinon, pour que les autres se plantent, entre guillemets. Donc, la seule interaction, elle est directe dans le sens j'essaie de faire en sorte de garder de l'information.
elle est indirecte dans le sens où des fois j'ai pas le choix parce que bah, il faut que je propose une de mes enveloppes aléatoirement, etc. Et donc du coup, fallait pas qu'il prenne celle-là. Oh, celle-là, je l'ai déjà eue, pas de bol. Mais c'est aussi pour lui donner cet aspect final. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que la scénographie ludique, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, en tout cas, la petite mise en scène que tu as à la fin. Oui, le plateau est joli. Ah, hein, c'est génial. Parce qu'en fait, vous avez un paravent. Décor années 60. Ouais. Mais est-ce que les paravents tiennent chez toi? Parce que moi, j'en ai deux qui tiennent pas. Ils sont comme ça et tout, un peu bancal. Et j'ai fait une autre partie dans une autre boîte. Il y en avait un qui était bancal. Tu as un problème de matos? Non, moi, j'ai pas eu de problème, mais c'est parce que je fais toujours hyper gaffe quand il y a des pliures. À les faire, parce que si jamais elle se plie, tu sais, c'est du paravent, tu replies comme ça, et si jamais ta pliure, elle part un peu comme ça, bah effectivement, tu as le paravent qui est un petit peu manqué. Donc moi, j'en ai pas eu, parce que à chaque fois, je prends la règle, je retrace un petit peu pour être sûr. Ah bah, tu joues le maçon, toi. D'accord, c'est les bâtisseurs de l'impossible. Mais en tout cas, le côté qui est pas si gadget que ça, à la fin, de prendre la photo de sa réalisation, j'ai réussi mon plan de table, et jouer avec un plan de table, moi, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, ça m'a... Ouais, c'est sympa. Ça m'a beaucoup plu. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était plus filet à papillon qu'un jeu. C'est-à-dire que, comme le filet à papillon, ça te permet d'attraper des gens qui ne jouent à rien. C'est ça, en fait. Parce que tu leur vends un truc où tu vas poser des petits personnages autour d'une table de banquet. Et donc, ils ne vont pas être effrayés par un plateau. Et donc, ils vont jouer avec toi et ça va leur faire plaisir 10 minutes, un peu comme quand tu fais du tricot ou du... Non, je fais pas de tricot. Mais attention, c'est pas négatif, ce que je dis. Mm-hmm. C'est juste que... Ça va surtout intéresser des gens qui ne sont pas des joueurs. Dans le même genre, il y a Photo Party chez Cocktail Games, où c'est les personnes elles-mêmes qui jouent, font des choses. Tout à fait. Donc, si les gens aiment bien jouer avec le téléphone, il y a aussi le Cocktail Games, qui est encore plus grand public. Ouais. Et au pire, ça, ils jouent en grandeur nature pendant les mariages, non? Tu peux. Est-ce que c'est possible? Je peux donner une carte à chaque invité, et puis au top, ils doivent aller sur l'estrade. Si tu as une plante verte et un chien, tu peux. Après, l'aléatoire aussi est super dégueulasse dedans. Hein. C'est-à-dire que des fois, tu as un mec qui va dire « je veux pas être à côté d'une femme, mais je veux être à côté de cette femme ». Tu fais « mais qu'est-ce que c'est alors, que cette incohérence ?» Effectivement, oui, mais c'est parce que tu peux pas maîtriser les enveloppes que tu mets aléatoirement. C'est prévu dans la règle. Les joueurs se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Ça risque de décevoir des joueurs habitués à des choses un petit peu plus complexes, mais par contre. Pour y jouer vraiment en famille ou avec des papillons, c'est super. Je garde le côté papillon. Revenons, alors que nous avons sauté le cliché du siècle, à nos labyrinthes labyrinthiques. Et on va parler de Mayscape, qui est le dernier arrivé dans la gamme Escape Game chez Yellow. Alors, c'est un jeu de Pablo Céspedes et Victor Hugo Cisterna. Ça s'appelle Victor Hugo, c'est quand même très... Ouais. Les illustrateurs, c'est Alex Santalo et... Juan Gardier, mais ça se trouve, on ne dit pas comme ça. C'est Juan Gardier. Il faut le prononcer à l'espagnol, parce qu'en fait, les deux co-auteurs sont chiliens, et ils sont non seulement co-auteurs, mais ils sont aussi les deux actionnaires de leur maison d'édition, qui s'appelle Ludoismo, et qui est une des rares maisons d'édition chiliennes. Ah. Eh bien, merci Maître Capello. Ah, voilà. Merci. Et donc, c'est un jeu qui est présenté comme un jeu solo. En réalité, alors c'est un jeu solo parce que vous avez un petit curseur que vous devez déplacer sur des pages. C'est un petit peu façon Monument de Valais. Alors du coup, vous êtes sur des petites lignes blanches et vous pouvez déplier que les pages qui ne sont pas celles du curseur. Et puis, vous essayez de trouver la sortie dans un premier temps du labyrinthe. Et puis, vous avez des petits objectifs facultatifs. On va looter des petites choses, un peu comme les... Tu sais, dans Dragon Quest, les tunnels sans fin, on loot des trésors et on tombe sur un boss final à la fin. Donc, c'est présenté solo parce que, de fait, on tient le petit curseur et on cherche à sortir. Mais en réalité, si on est plusieurs autour à essayer de trouver la sortie, aiguiller l'autre en lui disant... Et parce que, du coup, c'est hyper ingénieux. C'est vraiment un casse-tête très, très ingénieux. Franchement, moi, je me suis demandé... À quel point ils se sont pris la tête pour concevoir ce truc. D'accord. C'est vraiment hyper pointu. Et alors, ils vous mettent 5 à 90 minutes parce qu'en fait, le principe, c'est qu'il y en a 7 dedans. Oui, il y en a plusieurs. Et du coup, c'est par palier. Donc, le premier va être plus accessible que le deuxième, etc. Donc, c'est progressif. Et je crois que mon record sur un des labyrinthes, c'est 7 minutes. Et le dernier, le final, le 7e de Ariane, j'ai mis 2 heures. Donc, c'est quand même... 90 alors, minutes explosées. Je le live, donc c'est toujours des conditions un petit peu différentes. Mais vraiment, on se casse la tête. C'est très très sympa, c'est un vrai casse-tête. On est entre le livre et le jeu,
Alors, c'est vrai que quand on l'a devant nous, on se dit, bon, mais ça, vous l'emmenez en voyage, ça prend pas beaucoup de place. Tu peux prendre ça se déplie quelques petits livres, si tu veux. Hein. Exactement. Bon, il vous montre des images, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais voilà, très, 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 très sympa. Donc, c'est de l'escape sans les énigmes. Mm-hmm. Mais ouais, prenez bien la tête là-dessus. Je trouve que, comme l'a dit Tarsa, la rejouabilité a été travaillée. C'est-à-dire qu'au départ, et c'est fait exprès, t'essaies juste de trouver la sortie du labyrinthe. Mm-hmm. Et déjà, rien que là, effectivement, tu plies, tu déplies. Mais attends, pour pouvoir passer ici, ah oui, si, il faut que je revienne comme ça. Et vraiment, tu... Et voilà. Ça se plie dans différents sens. Et, hein. Tout à fait. Il y a vraiment plein de manières. Recto et verso. Donc, tu fais, mais attends, si je veux l'autre côté de ça, il faut que je pars ici pour que je puisse replier. Voilà, donc ça, c'est... Et après, une fois que tu as déjà découvert ça, et en fait, sans le savoir, tu as commencé à repérer, ah bah tiens, le vase, là, j'ai jamais pu y aller. Ah bah tiens, il y a ici la petite pièce qui me permettrait de rejoindre l'urne pour la déposer dedans. Et donc, du coup, tu redémarres ensuite ton labyrinthe pour le plaisir de dire, bon, bah, maintenant, mon objectif, c'est pas simplement de sortir, puisque je sais à peu près où est-ce que et même, parfois, la sortie est à côté. Oui, parfois, on peut sortir complètement. Ouais. Tu as fini le labyrinthe. C'est pour ça que ça dure 5 minutes. Et, et en fait, tu te prends au jeu à vouloir trouver les objets facultatifs. Il y en a des obligatoires, parce qu'il y a des portes. Il te faut une clé, donc il faut trouver la clé avant d'aller dans la porte, etc. Mais on a envie de le refaire. C'est pas trop chiant, pillage et tout, à force. Ah non, pas du tout. Non. Alors, si, une fois encore, c'est pas un jeu universel. Donc, ceux qui ne sont pas forcément fans de casse-tête, de « Oh, bon ça fait suer, ça fait 3 fois que je retourne ici au même endroit. » Oui, ça va. Voilà, il faut être malgré tout dans le plaisir. Mais par contre, découvrir l'objet, comme disait Tarsa, de dire, mais ils ont réussi, enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut comme cerveau d'humain pour concevoir ça, je ne le conçois pas, mais j'ai le plaisir d'y jouer, quoi. Ouais. Mescape, c'est donc du labyrinthe labyrinthique, plutôt côté, il y a un petit côté grec, mais pas que, hein, puisque au final... Oui, parce qu'en fait, le labyrinthe, parce qu'on pense aussi au Minotaure, etc. Ouais. Donc celui-là, il est clairement basé sur Ariane, on doit aller battre le Minotaure avec le fil, on doit retrouver Ariane. Mais le fait, alors celui-là n'est pas trop dans le design, on va pas trouver... Là, vous trouvez des objets mythologiques, etc. Là, moins, mais... Ils s'en sont écartés. Oui, ouais. Mais le principe du labyrinthe reste le même et reste très lié aussi un petit peu à ça. Et voilà, c'est une quinzaine d'euros et il y en a 7 et franchement ça vous prend son petit temps et c'est très cool. Ça à partir arrive. De 8 ans, ouais. Bon, à voir si votre enfant de 8 ans est capable, peut-être le premier labyrinthe, peut-être. Sur les premiers livrets. On va sauter du Minotaure à sa version uniquement animalière, taureau, puisque du coup, François nous a ramené une boîte qui contient non pas un, mais des os. Ark Nova, c'est un jeu expert, mais plutôt... expert chez les jeux experts. Ah. Donc, méfiez-vous, c'est pas parce qu'il y a des mignons animaux sur la couverture que ce jeu est forcément fait pour vous. Parce que c'est vraiment pas forcément compliqué dans la façon de jouer. Les tours sont très fluides. Mais il y a énormément de tours que vous allez jouer. Il faut compter à peu près 2h30 à 3h si vous jouez à 2. Il faut compter bien une demi-heure, 3/4 d'heure de plus si vous jouez à 3. Et à 4, moi, je trouve qu'il devient à la limite du pas jouable parce qu'il faut compter au moins 4 heures pour jouer à 4. L'enfer. Donc, alors, après, c'est une question de goût. Moi, je ne vois pas du tout le temps passer quand j'y joue. Et il y en a qui ne vont pas pouvoir trouver ça supportable. Ça, c'est une question de goût. Il y a quelque chose qui est très énervant dans ce jeu, c'est que l'auteur, Mathias Wieg, c'est, d'après mes recherches, le premier jeu qu'il fait. Et franchement, arriver à une sortir, maturité comme ça. Ouais, ça doit quand même être un joueur avec pas mal d'expérience pour avoir réussi à sortir ça. Et puis, bon, après, c'est Feuerland qui a fait la version originale. Super Meeple fait la version en français. Feuerland est habitué de ce type de jeu. Mmh. Et je pense qu'il y a chez eux des gens dont c'est le métier de... poncer, repenser, régler, etc. etc. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Je ne vous parlerai pas de la version solo. Moi, j'aime pas les versions solo dans les jeux. On peut faire la comparaison avec Terraforming Mars si vous voulez avoir une base de comparaison, bien qu'il y a quand même une différence essentielle, c'est que Terraforming Mars, on joue sur un plateau commun qui va induire une certaine course entre les joueurs. Tout à fait, et là, en fait, chacun a son zoo qu'il va gérer souvent très différemment du zoo des autres joueurs. Et il y a une interaction beaucoup plus légère entre les joueurs qui va surtout consister à se piquer des places à tel endroit ou à tel autre, ou à piquer des cartes qui sont dans la rivière au milieu. Mais sinon,
on ne va pas se mentir, chacun joue quand même un petit peu dans son coin. Mais tous ensemble, on parlait du tricot tout à l'heure, mais c'est comme des mémés qui font du tricot ensemble. Elles font du tricot et elles blaguent. Et bien là, c'est pareil, on fait son zoo et on blague ensemble. Le principe de jeu est très bien trouvé. Ça rend les tours et la partie très, très fluide, puisqu'on va avoir en fait à son tour une seule action à choisir entre cinq. On peut acheter un animal, on peut demander à un mécène ou de venir vous donner des conseils ou d'ouvrir tel type d'enclos dans son zoo. On peut construire un nouvel enclos. On va pouvoir également lancer des projets de conservation qui vont être absolument obligatoires pour arriver à faire un bon zoo moderne. Et donc, une seule action par tour, ça va quand même assez vite. Et ce qui fait donc le moteur du jeu, c'est qu'on va avoir une piste en U, et à chaque bout de la piste, on va partir avec un compteur d'attrait qui va vous donner la façon dont les gens ont envie de venir dans votre zoo. Les tickets d'entrée. Donc, ça va vous rapporter de l'argent. À chaque fois qu'il y aura un décompte dans le jeu, et il va y en avoir beaucoup, ben vous allez pouvoir récupérer de l'argent pour de nouveau faire des trucs dans votre zoo. Et de l'autre côté du U, il va y avoir le compteur de conservation et qui est en fait tout ce qui fait l'intérêt d'un zoo moderne, c'est-à-dire ce que vous allez faire pour la sauvegarde des espèces en danger, ce que vous allez faire pour la réintroduction des espèces menacées dans la nature, etc. etc. Et ça, c'est par contre quelque chose qui ne vous fait perdre que du temps et de l'argent, mais qui est nécessaire à l'administration d'un bon zoo moderne. Et puis, il y a une dernière piste un peu accessoire, qui est la piste de la réputation, qui va être la réputation plutôt qu'on a par rapport à l'agence scientifique sur les autres zoos, les choses que l'on fait dans son zoo. Donc, c'est super plaisant, c'est super expert, ça vient d'avoir le diamant d'or. Ouais. Donc, ça vous montre un petit peu à quel niveau on se situe. Le Diamant d'Or étant un prix remis par des joueurs, joueuses, un ensemble de joueurs et joueuses qui ont justement voulu mettre en avant des jeux experts, des jeux, on va les considérer poids lourds, entre guillemets, pour les règles, pour le temps de jeu, l'investissement que ça demande, la courbe d'apprentissage. Et effectivement, côté Diamant d'Or, eh ben, ça veut déjà dire quand même qu'il a, son poids. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de jeux qui sont trop experts. C'est sûr que ce n'est pas une porte d'entrée pour des joueurs qui voudraient step up un peu depuis l'initié. Il faut passer par autre chose avant. Quoi. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Ricky Narag et tout. Mais par contre, si ce type de jeu est vraiment ce qui vous ferait vous relever la nuit, franchement, n'hésitez pas. Sans vouloir prendre trop de risques, je pense qu'il va avoir un avenir assez glorieux. On peut facilement entrevoir la possibilité de faire des extensions. Et ma foi... Alors, ceci dit, on a déjà beaucoup de choses à faire avec la boîte de base, notamment au niveau de la façon dont les zoos sont gérés. C'est-à-dire qu'on a un zoo très facile, enfin très facile, par rapport aux autres, pour démarrer. Et puis après, on peut continuer d'autres parties avec un autre zoo qui reste le même pour tous les joueurs, mais moins facile. Et puis après, il y a 8 zoos thématiques qu'on peut distribuer au hasard. Et asymétriques. Et tous asymétriques. Et dans ce cas-là, on se retrouve vraiment avec un challenge de plus en plus relevé. Je sais qu'à Essen, l'année dernière, il a fait parler de lui. Je sais aussi que, Croc, tu l'avais repéré justement un petit peu à ce moment-là. Depuis, tu y as joué. Oui, j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai trouvé en anglais, dans une boutique en Hollande. Je l'ai fait importer. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Oui, c'est un très bon jeu. Signalons quand même que le système de jeu de base, ce n'est pas original du tout. C'est exactement le système de jeu de Civilization A New Dawn chez FFG. Il est sorti en français d'ailleurs. Le système de cartes que tu améliores. La rivière, en fait, le principe, voilà, c'est tes actions. Et elle monte en puissance. Elle monte en puissance. Ça, c'est exactement le système de civilisation de la version de FFG basée sur Civilization 6, meilleur. Je pense. Oui. Toujours Sid Meier, mais il y a eu plein de versions. Ah oui, t'as raison. Et c'est là, c'est le 6, c'est la deuxième. C'est le deuxième la jeu. Boîte noire qui s'appelle une aube nouvelle. En voilà, le deuxième jeu à être sorti chez FFG sur la licence. Alors après, le Civilization d'FFG, il est
plutôt simple en utilisant donc ce système de petites cartes que tu peux upgrader aussi, pareil, hein, comme dans Rock'n'Roller. Et après, ça va évidemment énormément plus loin. Et le système de jeu est quand même très, très riche et très. Est-ce que c'est. La question est un peu personnelle, mais est-ce que c'est parce que le thème ou la mécanique. Oui. Voilà, c'est ça, c'est que quand on me demande est-ce que tu as trouvé ça bien, je dis oui, beaucoup. Si ça n'avait pas été sur les eaux, ça m'aurait moins intéressé. Ouais, d'accord. Et pourquoi ? Parce que, pour être clair, comme j'ai des parts dans un zoo en France, le problème des entrées de tickets par rapport aux besoins de conservation et qu'on ne soit pas traité comme les cirques, qui soient des trucs où on martyrise les animaux et tout ça, et qu'il y ait un vrai but écologique derrière tout ça dans les zoos modernes, ça, c'est ce qu'il a hyper bien rendu. Ouais. C'est pas étonnant que ça soit un auteur allemand, parce que les zoos allemands sont basés sur ça depuis des dizaines d'années, alors qu'aux États-Unis, on est plutôt dans l'entertainment. Hein. Ouais. Il n'y a qu'à regarder Tiger King sur Netflix, hein, on voit ce que ça donne. Tiger King. Voilà. Donc c'est aussi une façon de redorer un peu le blason du principe des zoos qui choque de plus en plus de gens parce qu'ils s'initient à l'écologie. Ils ont raison d'ailleurs. Hein, Et d'ailleurs, les visuels sont des photos. Et ça, c'est très appréciable d'avoir... C'est des scènes d'après photos. C'est ça, voilà. Et moi, mais c'est hyper réel et très immersif. Ouais. Grégory, je sais que tu peux faire du wargame, figurine, simulation historique, etc. Et que ça peut parfois être long. Mais il y a ce côté, je suis debout autour de la table, je mesure, penche, tire, blablabla. Est-ce que tu irais jusque ces 3-4 heures? Oui, mais carrément, oui. Mais le problème, c'est que c'est typiquement les jeux que j'aime et que j'achète, ou d'autres jeux à la GMT. Oui, tout à fait. Tout un pan de mur de jeux GMT que j'achète parce que c'est à ça que j'ai envie de jouer. Et puis après, je joue avec des gens qui jouent aussi ce qui prend. Et il y a des jeux de plateau, d'équilibre et de choses comme ça. Avec qui j'aime passer de bons moments. Mais finalement, c'est ma barrière, moi, c'est pas le temps. C'est trouver les joueurs qui vont pouvoir s'investir dans un labyrinthe ou dans un jeu comme ça. Alors, pas le même labyrinthe. Oui, j'avais compris. Mais c'est vrai que de la génération auquel j'appartiens, qui disparaît petit à petit, on ne sait pas où il passe, pour nous, 4 ou 5 heures pour un jeu, c'était un gage de qualité. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. On trouve en effet de moins en moins de joueurs, et c'est normal. C'est aussi que... s'il n'y a que les films qui augmentent en longueur. Avant, c'était 1h30, peut-être pas certains grands classiques, mais et maintenant, c'est 5 pour saisons. Les Marvel et tout 5 ça, c'est 2 heures. Ouais, alors déjà les séries, et puis des films de Marvel et tout ça qui durent bien 2h, 2h30. Oui, sauf que du coup, les spectateurs les binge-watch. C'est-à-dire qu'ils les mettent en x1,5, x2,5 pour pouvoir les regarder encore plus vite et regarder encore mais plus Mais pour tout le reste, et surtout pour les jeux, la durée des jeux réduit, quoi, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, ce Ark Nova, ne serait-ce que pour faire une partie par an, je trouve qu'effectivement, quand tu aimes, et ben tant pis, moi je... On n'a pas dit le prix, c'est combien ça? Ah, c'est combien, François? On n'a pas encore le prix exact, mais ça va tourner autour de au moins 70 euros. Ah oui, forcément. Plus la rallonge de la table qu'il vous faut pour pouvoir... les petits apparts, ça on oublie, les studios, machin... Il faut de la place. Je l'ai. Partons maintenant à la recherche de cette histoire un petit peu particulière. Alors, si vous appréciez au menu les poulpes, si vous aimez aussi un petit peu partir dans les profondeurs des entrailles de la Terre et y découvrir d'étranges choses, vous n'êtes pas tout à fait à X-Files, mais à Bureau of Investigation, et on va en papotacher avec nos invités. Faut-il encore présenter les Space Cowboys? Allez, qu'il me soit permis de citer Splendor et Unlock, voilà, paf, c'est fait. C'est un petit peu réducteur, mais c'est fait. Allez, je vais ajouter quand même Time Stories, dernièrement Jamaica et Sherlock Holmes, Détective Conseil, mais ça, on va y revenir. Pour nos invités, présenter Croc ne devrait être guère plus difficile, en tout cas côté jeu de rôle. Bitume, 85. Il nominait Stanislas, Magna Veritas. Stanislas. Ça, c'est une blague. Oh là là. Non, mais enchaîner. Moi, je viens qu'une fois. Il nominait Satanis, Magna Veritas en 89 et ressuscité en 2015. Bloodlust en 91. Scales, l'injustement incompris en 94. Cops, 2003. Eldorado, 2006.
le temps apprécié de moi, Claustrophobia. Le meilleur 2009. Jeu à le... deux, ah, après Space Hulk. Trop classe. Et en termes de développement de jeux de société, que ce soit avec Cirrose, il en a rencontré les fondateurs au club du Vin Nat à Viroflay, ou Asmodée et les Space Cowboys, là, des développements, il y en a des tonnes. Est-ce que tu les as déjà comptés, tous ces jeux que tu as développés? Non. Mais il y en a des tonnes. Oui. Il y en a des tonnes. Grégory Privat, alors là, attention, c'est un petit peu plus complexe. L'homme de l'ombre, réécrivain, créateur de schémas et autres documents annexes pour RunQuest, univers qu'il connaît très très bien avec Multisim, ou chez Sans Détour avec entre autres les masques de Nyarlathotep, s'il vous plaît. Il est également ami personnel, ça se cite parce que ça claque, de Greg Stafford et Standy Peterson. Ouais. Ça vous... Ah, bon, il n'empêche que ça claque. Ce collectionneur fou de figurines qu'il peint affectueusement est également auteur de différents protos ou de jeux de rôle avec Bimbo. Il y a un petit côté satirique là derrière, attention, ne vous laissez pas avoir. Et c'est d'ailleurs autour de l'incroyable prototype Patatastec, un jeu avec des monsieur patates. J'adore ça. Tu joues des monsieur patates qui se fight. Formidable. Et quand tu lui fais tomber les yeux, eh ben, tu mets un masque parce que tu n'as plus d'yeux. Et donc, tu joues sans tes yeux. Bref, Patatastec était son prototype que je croise Grégory pour la première fois. Et du coup, première question pour toi, Grégory, qui est posée par notre invitée précédente. Elle adore Sherlock Holmes, détective conseil, dont est basé, sur lequel est basé Bureau of Investigation. Est-ce qu'on va retrouver ce Sherlock Holmes dans BOE? Alors, il y a une des enquêtes dans laquelle il y a une librairie. Il est fort probable que dans cette librairie, il y ait des livres écrits par Conan Doyle qui parlent de Sherlock Holmes. Mais Sherlock Holmes, on ne le croise plus. C'est un personnage de fiction et là, il a pas lieu d'être. Et je crois qu'elle demandait aussi s'il y avait eu une évolution et des changements. Il y en a eu, mais en même temps, il y en a eu depuis le début de la série, dès la première boîte. Et à chaque fois, chaque auteur, enfin pas chaque auteur, mais beaucoup d'auteurs ont réussi à rajouter des choses. Une des dernières choses que j'avais vues, et la boîte est sortie alors que j'étais en développement, c'était le fait de mettre des marques sur pendant les enquêtes, de noter ABC, de pouvoir repasser dans des paragraphes en ayant plus d'informations. Donc... Oui, on va retrouver le jeu, mais le jeu a quand même bien évolué parce qu'on se retrouve aussi dans un nouvel environnement, on a traversé l'océan. Mm-hmm. On a fait un bond dans le temps, les moyens ne sont plus les mêmes. Mm-hmm. Il n'y a plus trop de calèches, il y a plus trop d'efforts. au lieu d'avoir de la politesse anglaise, ben on va peut-être sortir au bout d'un moment les Thompson à la fin du scénario. Voilà. Après, au niveau des mécaniques, il y a des choses qui changent. À la fin, il n'y a plus de questionnaires. Ouais. Il y a un passage à l'action, on va intervenir. Ça, c'est excellent. Et puis tout un tas d'autres surprises et surtout beaucoup d'artifices mécaniques, pas de règles, de la mécanique, donc c'est transparent pour le joueur qui vont faire qu'on va commencer à jouer, puis à un moment donné, on va se retrouver ailleurs et autre part. Voilà, c'est ça. J'ai une question directe là-dessus. Merci Ségolène. Je me suis laissé dire que ce jeu est parti sur une blague, mais sur un peu un genre de chiche de la part de Cyril Demaigle. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne suis pas sûr que c'était un chiche ou une blague. Je pense qu'il avait vraiment envie de le faire. D'accord. Parce qu'il a vraiment insisté et je lui ai vraiment dit non au début parce que justement, je ne voyais pas comment le faire. Et au départ, j'avais un vrai souci parce que Sherlock, c'est quand même un jeu où on va aller taper à la porte des gens de façon courtoise, poser des questions et puis à la fin, on va devoir répondre à des questions. Et ça ne collait pas avec l'univers de Lovecraft. Qui est l'univers de BI. Les personnages des nouvelles ou des romans, des essais de Lovecraft, la plupart du temps, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Mm-hmm. Et on ne peut pas leur demander à la fin d'une enquête, quel était le monstre que vous avez croisé dans le parc du centre-ville? Réponse, c'est un sombre jour. C'est un peu ridicule, de mon point de vue. Ça peut marcher, pourquoi pas, mais moi, ça ne me va pas. Donc là, il y a vraiment... je ne sais plus, mais il y a vraiment un changement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Une autre question. Les conditions de victoire sont différentes. Ouais, le chiche est parti sur un nom. Et finalement, il t'a persuadé du coup. Et au bout d'un... Oui. Et puis il a attaqué mon ego, donc la vérité, c'est ça. C'était ça. Et ensuite, donc, il a fallu trouver des solutions. Et c'est ça qui est bien. De toute façon, dès qu'on écrit quelque chose, c'est les contraintes et ce genre de trucs qui font qu'on va se dépasser. On va dépasser un peu le jeu et puis apporter sa pierre.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que moi j'en ai plein d'autres. Oui, il y en a plein, mais on va rester 20 ans là-dessus. Bah, oui. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert l'annonce, je me suis dit, ouais, c'est super culotté, les mecs, ils ont les balls sur la table. Parce que prendre Horreur Arkham, avec tout ce qu'on connaît, les mondes où tu peux voyager, Carcosa, etc., les portails, les monstres, la Tatane, les Thompson, etc., que tu jettes, je me suis dit, c'est les mecs, ils y vont au filet, quoi. C'est soit ça déchire de ouf, ou soit les mecs vont se dire, ah, mais fallait pas prendre ce thème, parce que on retrouve pas les bonnes mécanes, ni quoi que ce soit, qui font justement Arkham, qui font Lovecraft. Et ça n'a pas été vraiment touchy de développer ce produit là-dessus. Alors, tu te plais ou je le fais ? Moi, je trouve que tu peux être fort sur Horror Arkham. Ouais. En fait, c'est pas du tout Horror Arkham. Mmh. C'est-à-dire que c'est l'univers de Lovecraft et pas celui d'Horror Arkham, ouais, et pas celui de l'Appel de Cthulhu. Mmh. Et c'est ça qui peut... c'est de ça aussi, il faut que les joueurs soient au courant de cette histoire. Par exemple, tout de suite, quand tu as parlé dans l'introduction de Poulpe, et en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de créature, il n'y a rien. Il si, y a une espèce de pseudo-dessin, machin, mais en fait, ça va rester beaucoup plus intimiste et beaucoup plus basé sur ce qu'a écrit réellement Lovecraft, et pas ni les mecs d'après, ouais, Auguste Derleth, Sprague de Caen et tout ça, et ni ce qu'en ont fait donc Chaosium avec l'Appel de Cthulhu et avec Horror Arkham et toutes ces choses-là. Au point même qu'il y a certaines créatures qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'elles ont été créées par Sandy Peterson, mmh, ah oui, genre Chien de Tindalos. Non, mais c'est ça. Non, si, ça, c'est dans une nouvelle, mais bien plus tard. Mais pas de Lovecraft. Et que même lui ne pouvait pas mettre à un moment donné dans Cthulhu Wars. Donc Cthulhu Wars, parce qu'il y avait. Mais par exemple, le symbole du roi en jaune, tout, oui, ça, ouais, c'est des trucs qui ont été inventés par Chaosium. Et donc ça, c'est interdit, c'est pas du tout dans le domaine public. Et donc c'est pour ça qu'en fait c'est et c'est pour ça que c'est possible de faire des enquêtes, parce que les enquêtes elles sont beaucoup plus à la fois plus horribles parce qu'on n'a pas les moyens de se défendre, mmh, plus facile à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas la grosse artillerie comme tu dis des portails. Elles sont plus sombres, parce que West Ham, déjà, on était sur le truc de Jack Léventreur, c'est un niveau au-dessus, au niveau de la maturité. Hein. Est-ce, oui, que là, on a ce même degré de maturité où... Ah oui, c'est... On est d'accord, t'as ça. Guillaume et moi, on n'était pas prêts. Hein. Heureusement qu'ils jouent, ils ont la même façon de jouer que moi, ils font les voix et tout, mmh, ça, mais ouais, l'ambiance de la première affaire... On en a beaucoup enlevé, hein. J'y ai repensé chez moi après dans mon couloir, je repensais à des images et tout. Ça a été beaucoup auto-censuré. Ouais. Ah oui. Pourquoi ? Pourquoi ça a été auto-censuré ? Parce que finalement. Parce que sinon c'était peut-être trop. Parce que c'est. Oui, oui, parce qu'il y a un moment. Il faut. Dans le jeu de rôle, on parle beaucoup de la X-Card depuis quelques années sur quel sujet il faut traiter, quel sujet il ne faut pas traiter. Donc quand on le fait avec des blagues entre nous, ça va. Quand c'est quelque chose qui est édité, on ne peut pas. Ouais. Donc, parce que. On ne veut pas se retrouver avec... alors moi, les shitstorms sur Internet, je m'en fous complètement, ça, ils peuvent m'en balancer. Mais si quelqu'un me dit bah, « je joue à ça » et puis ça nous a mis vraiment mal à l'aise, bah, ça m'embête, donc voilà. J'ai pas envie. Le but du jeu, en fait, c'est que les gens déjà s'amusent, enfin, et de l'interaction, qui est de l'histoire. Donc les deux maîtres mots, c'est de l'interaction et de l'histoire. Donc générer ça avec le système. Alors quand je parle de système, je ne parle pas des règles, hein, je parle de la façon dont les paragraphes s'articulent. Et les surprises qu'il va y avoir dans le déroulement du jeu. Donc en fait, ce qui est important, c'est ça, plus que de dire, regardez, je vais dans la surenchère et... Et je rentre dans des sujets qui vont déranger les gens. Le but, c'est que la personne, en rentrant, réfléchisse et se dise, oulala, ça fait... Mais comme après avoir vu un bon film ou une bonne série qui fait peur, et en ayant voulu le faire, alors peut-être que d'autres gens n'auront pas peur, hein, tout le monde est différent. Mm. Mais le but, c'est pas que la personne, en rentrant chez elle, soit complètement murs, minée et se dise, ma vie est pourrie, en fait. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, mais là, on n'est pas sur des choix, parfois, qu'il y a dans ce genre de jeu, un peu immoraux, ou qui nous remettent en question. Non, là, on est plus dans un univers et dans un imaginaire. Mais qui juge de ça ? C'est vous ou vous avez fourni, puis on vous a dit, c'est too much ? Moi, je croque sur, il rigole quand même. Il doit y avoir un passif là-dedans, là. Il y a différentes choses. Il y a ce que j'écris, et c'est vraiment too much. Mm-hmm. Et puis après, je le fais tester, je le fais jouer. Tiens, un truc particulier au niveau du nombre de pistes et du chemin idéal de Sherlock, là, mm-hmm, le nombre de pistes est déterminé par les playtests, par exemple, mm-hmm, au lieu d'être mécanique. Mais
Et ensuite, en voyant les réactions des joueurs, que je vais prendre au hasard dans des conventions, dans des bars à jeux, au travail avec des gens qui n'ont jamais joué, etc. Des profils très différents. Je vais voir ce qui passe et ce qui ne passe pas, et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont quand même dures au fur et à mesure. Le problème, la plupart des trucs qu'on a enlevés, c'est que comme tu avais eu le talent d'essayer de reproduire ce qu'écrivait Lovecraft à l'époque... Ouais. Ah oui. Quand on se met à parler comme un Américain des années 20, il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses qu'on a retirées au fur et à mesure parce qu'il y avait des... Et puis d'ailleurs, des choses qui sont dans les nouvelles de Lovecraft. Hein. Ouais. En plus. Donc je sais qu'il y a J.K. Rowling qui est sous le radar en ce moment. Il ne faudrait pas tomber sur Lovecraft parce qu'à mon avis, ça va mal se passer. Hein. Donc je pense qu'il y aura de la réécriture de Lovecraft un jour aux États-Unis. C'est obligatoire. Et c'est beaucoup plus... légitime, je trouve, que le procès qu'on a fait à J.K. Rowling. Hein. C'est vrai qu'on est tous différents par rapport à ce genre de choses, on n'a pas tous peur pour les mêmes choses, etc. Non, mais quand même, âme sensible, attention. Alors, pour vous en reparler un petit peu, qu'est-ce que c'est que Bureau of Investigation? Parce que c'est bien beau de parler de Sherlock Holmes Détective Conseil, peut-être ne connaissez-vous ni l'un ni ce nouveau qui est à venir du coup chez les Space Cowboys. Vous jouez le rôle d'enquêteur, de membre du Bureau des Investigations, futur FBI, entre guillemets, et on vous envoie enquêter. Sauf que, à l'instar un petit peu de Scully et Mulder, il est possible. Que la vérité soit ailleurs. En tout cas, la vérité, elle ne sera jamais aussi fixe et déterminée que dans les enquêtes de Sherlock Holmes, qui se passaient à l'époque et avec Sherlock Holmes, où là, en l'occurrence, preuve A, preuve B, déduction C, voilà, boum, c'est fait. Ouais, puis le scoring à la fin, c'était un peu, ça te sortait un tout petit peu. Il était des fois un petit peu... Il y a des moments où tu es écrasé par la superbe de Sherlock Holmes. Ouais, c'est pareil, c'est pas le cas. Et comme le disait Grégory, on va intervenir. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est intervention, go, go, go. Alors, ça participe du truc aussi. C'est que là, on est tout seul et que même dans certaines enquêtes, on va douter de ceux qui donnent les missions et les choses comme ça. Ouais. Donc, il y a pseudo-trahison. Vraiment, il y a plus. Là, le principe du scoring est quand même bien trouvé. Hein. Bien trouvé, à savoir que. Une fois qu'on a terminé l'enquête, on n'est pas du tout habilité ni armé physiquement ou mentalement pour intervenir. Et donc, on va juste donner les conclusions de son enquête en disant « Chef, il faut absolument taper là, là et là. » Et en fonction des endroits qu'on a définis comme étant des endroits où il se passait des trucs plus louches qu'à d'autres, ben, on va aller voir dans la solution qu'est-ce qui se passe au moment où on intervient avec la grosse artillerie sur ces endroits-là. Plus ou moins grosse. Donc, on lit une partie de conclusion avec les interventions qui se sont passées avant de passer à la conclusion qui est écrite de façon à ce qu'on ait quand même un petit peu quelque chose à se mettre sous la dent. Mais on ne va pas forcément avoir réponse à tout. Non. Et ça, c'est quand même assez plaisant. Comme façon de voir, il y a quelque chose d'autre qui m'a bien plu, c'est qu'on a l'impression, quand on fait des enquêtes, qu'on est en train de descendre l'escalier qui va à la cave et que petit à petit, les marches se transforment en pente glissante. C'est-à-dire qu'on perd petit à petit, et je ne vais pas spoiler plus que ça, mais on perd petit à petit tous les repères qu'on avait au début sur des enquêtes qui, quand même, rester assez rassurante dans le rapport et la filiation qu'il y avait avec Sherlock Holmes, Détective Conseil. Et petit à petit, on va tendre à la perdre. Et petit à petit encore. Et ça entraîne de nombreux effets waouh qui sont vraiment très plaisants à jouer. C'était le problème de la santé mentale. C'est-à-dire que... La folie. Quand on pense à Lovecraft, tout ça, on pense à la folie, on pense forcément à l'appel de Cthulhu, la santé mentale, et il y en a dans tous ces jeux-là. Et c'est une discussion qu'on a eue très tôt avec Croc, sur est-ce qu'on met des pions, des machins, etc. Et moi, je n'étais pas sûr, j'étais vraiment complètement ouvert. Et c'est Croc qui a dit... Non, il ne faut pas rajouter du matériel, il ne faut pas rajouter des choses à manipuler. Ça va L'idéal est plus complet, plus compliqué. Ça va, dénaturer le jeu. Et donc, très bien, une contrainte. Et en fait, la santé mentale, j'avais la solution dès le début. Je prenais n'importe quel bouquin de Lovecraft. La santé mentale, elle est dans les paragraphes. Et puis, le personnage, on voit ce qui lui arrive et il la perd dans le texte. Et donc, au lieu de mettre un compteur, vu que de toute façon, on va aller...
On va avancer dans les paragraphes, c'est là qu'il faut la placer. Voilà. Et un autre truc, ça n'empêche pas que la résolution, c'est important, parce qu'on m'a posé cette question par ailleurs, par rapport au fait que c'est fantastique, alors du coup, tout peut arriver, alors comment je fais pour résoudre une enquête de façon logique? Les enquêtes se résolvent de façon logique, c'est-à-dire que peu importe qu'il y ait du fantastique autour dans le décor et ainsi de suite, tout est trouvable par quelqu'un qui n'y connaît rien. Mm-hmm. Moi, c'est ce que j'ai préféré, c'est le côté fantastique surnaturel. C'est la fin, c'est ce côté un petit peu, je ne peux pas maîtriser, parce que c'est des choses qui nous dépassent, on n'est pas dans quelque chose effectivement de factuel, etc. Et pour autant, ce n'est pas une supposition, quoi. On est vraiment sur des... C'est ça qui est génial, parce que Croc, tu disais, par rapport à ce que tu disais, Mousse, sur le côté horreur Arkham ou autre, ou même l'appel de Cthulhu. Oui, parce que les gens peuvent assimiler Arkham direct. Tout à fait, voilà. Et en fait, non. Mais, moi, je me suis retrouvé à être moins dans le jeu de rôle et donc, du coup, à moins avoir à utiliser mon cerveau de joueur, entre guillemets, qui connaît un peu l'appel de Cthulhu, Horror Arkham, etc. Et donc, du coup, se dire automatiquement, non, là, il y a des choses. Mais du coup, ça m'a donné le plaisir de me retrouver dans le rôle d'un humain qui ne saurait pas tout ça. Et qui du coup se retrouve confronté à tout ça. C'est Twin Peaks, quoi, Agent Cooper qui arrive. C'est une réussite parce qu'il y a un côté presque jeu de rôle, mais un petit peu imposé, puisque c'est surtout narratif, où tu te dis, je pète les plombs, mais il s'est passé ça. Et on m'a pas laissé le choix, je m'en suis évanoui. Il y a le sanatorium, je ne divulgue rien. Mais du coup, tu te le prends comme si tu le rejouais, que tu le redécouvrais. Et c'est effectivement plutôt bien vu. Alors que c'est de la lecture de paragraphes, c'est de la discussion. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas aller où? Il a dit ça et tout. Qu'est-ce qu'on ferait ça? Non, mais ça, c'est louche, à mon avis. Il cache des corps, c'est clair. Et du coup, ça fonctionne. Et ça, je ne sais pas si c'est ton écriture ou ton développement. Comment... Non, j'ai rien fait, moi. Justement, j'y crois pas, j'allais y venir, parce que du coup, t'es là, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu quelque chose en bicéphale. Non, j'ai pas fait grand-chose. J'ai surtout... je l'ai conforté ou pas dans ce qu'il voulait faire. Mais sinon... Si, il y a des choses que j'ai entre guillemets imposées, quand même. C'est une solution. Toi, tu voulais pas qu'il y ait une solution. Oui, voilà. Le petit paragraphe qui explique la totalité du truc... Par respect, je pense, extrême vis-à-vis de Lovecraft, il ne voulait rien expliquer. Mm. Et là, j'ai dit, non, à un moment là, dans le monde de 2022, les gens, ils veulent, libre à eux de pas le lire. D'ailleurs, on l'a écrit dans les règles, qu'en théorie, si on veut respecter Lovecraft, la solution, on ne la lit pas, on reste sur les quelques paragraphes qu'on a lus. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas. Il y a des gens à qui non, ils veulent savoir. Il reste des zones d'ombre, ça m'a frustré. Hein. Il reste des zones d'ombre. Mais il en faut un peu. Hein. Et voilà. C'était très bien dosé. C'est justement ça qui est très plaisant. Ça m'a permis un truc que j'aurais pas pu faire autrement et c'est de citer ce que tu peux lire après. Je sais pas si ça. Et du coup, les zones d'ombre disparaîtront. Les nouvelles. Oui, les nouvelles qui sont qui concernent les éléments. Ouais. Ah, ça, je veux bien, moi. Ça, très bien. Ça, c'est génial. Ouais. Okay. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, il y a ça. Puis moi, regardes ça, tu fais ça m'a fait peur, j'ai pas envie d'aller le lire. Ça m'a fait peur. Non, j'irai pas. C'est toi qui avais plus peur de nous deux. Pas sûr. Pas sûr, on sait pas. Moi, j'avais une question sur le temps de développement d'un objet pareil. Trop long. Pas rentable. C'est rentable, sérieux. Si. Ouais, non, mais. On le paye avec des cacahuètes, donc c'est. On lance pierre. Ouais, ça a duré très longtemps, mais j'ai eu une vie très compliquée par ailleurs pendant 5 ans, donc j'ai changé 3 fois de métier. J'ai eu 3 métiers différents, j'ai déménagé 5 fois, j'ai divorcé, etc. Et en même temps, j'écrivais ça. Mais c'est bien, hein, pour écrire des trucs torturés, ça aide. Sur la santé mentale, Mais je ne crois pas qu'on puisse... Parce qu'on va dire que là, il y a combien d'enquêtes? Sur du plein... 5 enquêtes, on va dire que sur du plein temps, ça devrait mettre 6-5 mois. Mais en fait, sur du plein temps, on ne peut pas écrire ça. Non, parce qu'il faut laisser les choses maturer, il faut réfléchir. Après, il faut partir, revenir d'une enquête à l'autre. Donc, c'est obligatoirement plus long, bien que ça ne soit pas du 8 heures par jour, évidemment. Ouais. Et après, il y a effectivement le fait que tu écris l'idée de ton enquête. Des idées d'enquête, j'en ai 20 ou 30 sur mon fichier. Et puis,
Mais après, il faut voir celles dans lesquelles tu as réussi à avancer correctement. Ensuite, tu fais tes cartes heuristiques de tes enquêtes, tu commences à faire, et puis tu développes, et ainsi de suite. La carte heuristique, la mind map. La carte mentale où tout est raccroché aux uns et aux autres. Ouais. Et du coup, maintenant que tu es rodé, tu travailles sur la deuxième boîte. C'est exactement ça. C'est que, par contre, plus tu avances, plus les enquêtes vont vite, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses où il y a plein de cul-de-sac où tu as déjà été te perdre et tu les prends plus. Mm-hmm. Et puis, c'est pareil, quand j'écris la première en essayant d'imiter le style de Lovecraft avec des subordonnées relatives dans tous les sens, des termes archaïques qui sonnent avec des K, des Q et qui font monter les tons. Bon, après les quelques premiers playtests où toi, tu as écrit le truc, tu le lis à des joueurs sur ton écran d'ordinateur, en gros, et tu butes tous les trois mots. Tu sais, tu arrêtes. et donc, tu gagnes la première, tu as mis 6 mois, la suivante, tu mets 4 mois. Et... Alors ça me rassure, parce que ce que disait Croc aurait eu tendance, moi, à m'inquiéter. Parce que si c'est pas rentable, puisqu'il y a besoin de rentabilité, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas forcément de deuxième boîte. Si, possiblement. Possiblement. Malheureusement... Peut-être ça pas. Ça dépend de vous. Peut-être pas. Oui, alors aussi, mais peut-être pas à la même époque et peut-être pas sur Lovecraft non plus. Ah, vous allez faire une ellipse encore. Ah, ok. Peut-être sur d'autres thèmes. En tout cas, voilà. C'était Bureau of Investigation avec Grégory Privat, avec l'Espèce Cowboy et donc avec Croc. Mais Grégory, on a aussi une petite question. Enfin, on a une question, non, on aimerait une petite question. La semaine prochaine, nous allons recevoir Jean-Baptiste de Ravensburger. L'un et l'autre, est-ce que vous auriez quelque chose à lui demander? Je crois que Croc, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Vas-y, Croc, alors, une question de Croc. Alors, pourquoi la suite d'Eldorado n'est jamais sortie? C'est un jeu génial. Et il y a eu une version multilangue de l'extension et du standalone après, et même une version dessinée par Vincent Dutray. Tout ça, on aimerait y avoir accès. Et dans les boîtes, c'est anglais-allemand. Pourquoi pas anglais, allemand, français, quoi. Voilà, première question. Grégory, est-ce que tu as une question pour Jean-Baptiste de Ravensburger? On peut le retourner, et puis il n'y a que Croc qui pose une question. Parce que en fait, je ne connais pas du tout, et j'ai pas de vraie question. Non, elle est bien, ta réaction. On la garde. Non, on ne va pas cuter. On ne coupera pas. Par contre, du coup, puisque c'est que nous labyrinthe parlons... et labyrinthe, mais pas le même. Ah oui, c'est vrai. Et il y a le labyrinthe de GMT et labyrinthe Pasteur, qui est très très bien. Tout ça. Il y a un super jeu. Pourquoi ils font pas de jeu de rôle? Pourquoi ils font pas de jeu de rôle? On la garde. Si, on la garde. Bureau of Investigation est un jeu d'enquête. Attention, pas un jeu de déduction, c'est un jeu d'enquête. Mais pour faire cette petite lumière, je vous propose de retrouver notre ami François autour d'une lumière sur les jeux d'enquête. Comment ne pas profiter de la venue d'invités aussi prestigieux pour en profiter pour parler des jeux d'enquête? Un petit peu d'histoire auparavant. Avant les jeux d'enquête, il y a les jeux de déduction. Et les jeux de déduction, ça commence avec le Cluedo. Le Cluedo, il sort en 1949. Il est inventé un ou deux ans avant. C'est un couple d'auteurs. C'est Elsa Rosalie Pratt et son mari Anthony qui créent le jeu. Anthony est pote avec un auteur de jeu. Et à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ça leur arrive de jouer et il a cette idée géniale. Alors, ils ne l'ont pas tout seul, puisqu'en fait, c'est basé sur le principe du Wood Unit, qui est le principe de base des romans avec « je t'explique tout ce qui s'est passé, il y a eu un meurtre » et « tu vas essayer, en lisant mon bouquin, de comprendre qui l'a fait, comment, etc. etc. » qu'on va retrouver avec Conan Doyle, qu'on retrouve avec Agatha Christie, et beaucoup d'auteurs, et pas mal d'autrices aussi, anglo-saxons, et principalement anglais. Et donc, le Cluedo sort en 49, il va se vendre dans le monde entier, il est édité d'entrée en Angleterre, aux États-Unis et en France, par Waddington, Parker Brothers et Miro, et à nos jours, on compte plus de 200 versions du Cluedo différentes. Donc on peut dire que c'est un jeu qui a bien atteint son objectif. Un peu plus tard, au début des années 80, on va trouver Scotland Yard chez Ravensburger qui va reprendre ce principe de jeu des déductions en y rajoutant un petit peu de sel, puisque on ne va pas jouer chacun de son côté, mais on va jouer en semi-coopératif avec quelqu'un qui joue le méchant,
et les autres qui vont essayer de l'attraper. Scotland Yard sort en 83 et il est l'année de sa sortie récompensée par le Spiel des Sciences. Alors, pourquoi je commence à parler des jeux de déduction? Parce que les jeux de déduction sont des jeux où il y a quand même un petit côté enquête, mais qui est assez tenu. Et ce sont des jeux auxquels on peut rejouer, puisque à chaque fois, on va choisir au hasard qui, quoi, comment, où. Et donc, on va pouvoir refaire des parties à l'infini. Et les jeux d'enquête vont sortir à peu près à la même époque que Scotland Yard, puisque Sherlock Holmes Détective Conseil sort pour la première fois en 82-83. La première édition française sort en même temps que la première édition allemande en 1985. Et en 1985, il remporte le Spiel des Sciences. Et bim. Alors ça, c'est la version originale en classeur. Donc on a acheté un classeur et puis toutes les extensions, c'était des feuilles à trous qu'on rajoutait dans son classeur. Bon, depuis, on a fait quand même beaucoup mieux avec la version Istari qui ressort en 2012 et qui remet le projecteur sur ce jeu absolument génial. Puis la version des Space Cowboys qui encore trouve moyen de le repimper un petit peu plus. Mais le jeu est toujours aussi plaisant à jouer. À la suite de ce jeu-là, alors ça c'est vraiment un jeu d'enquête dans le sens où ben, on va jouer des enquêtes costauds, écrites, avec un temps de jeu qui est beaucoup plus long que des jeux de déduction. Mais par contre... Mais forcément, quand on a joué une enquête, à moins d'avoir une mémoire de poisson rouge, on ne va pas la rejouer de sitôt et on va passer à la suivante. Donc, à partir de là, eh ben, ces deux types de jeux vont faire leur petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeux d'enquête. Mais c'est un petit peu de ça dont on va parler, des jeux d'enquête et de leurs différentes itérations. Du coup, ça voudrait dire que jeux de déduction rejouable, mais c'est... ça oui, ça non, un petit peu comme dans l'époque des Mickey Parade où tu avais les tableaux à double entrée. S'il y a un oui, ça veut dire que tout le reste c'est non et j'en déduis que du coup ça c'est non et là il y a un oui. Des choses que l'on retrouve dans Cryptid, dans Tobago, dans P.I. de Martin Wallace, c'est des jeux Mystère à l'Abbaye, qui sont des jeux où Lettres de Whitechapel. Les Lettres de Whitechapel qui est très dur, Fureur de Dracula aussi. Fureur de Dracula, qui est une petite poursuite. Mais oui, Scott Fureur de Dracula, c'est travaillé. C'est la version un peu boostée. Avec Mystère de Whitehall. Mais du coup, ça veut dire que ces jeux de déduction, François, tu ne les mets pas dans les jeux d'enquête. Ben, c'est quand même des méthodes d'enquête qui sont assez simples. Pas forcément simpliste. Hein. Tu parlais de la Fureur de Dracula. Il y a quand même du niveau. Mais ça reste un jeu de déduction. Et pas forcément un jeu d'enquête. Croc, toi, tu avais un avis. Enfin, en tout cas, pour toi, l'enquête vient de la déduction. Oui, ça vient de la déduction. Après, il faut savoir si ce qu'on recherche dans un jeu d'enquête, c'est le chemin ou l'arrivée. C'est-à-dire que si c'est le chemin, voilà, on peut se satisfaire d'un jeu de déduction. Mais si on veut se raconter une histoire et si on veut être... surpris par la fin comme on peut l'être quand on lit un roman, alors, il faut mieux jouer à un jeu d'enquête, un de ceux qui sont là. Ouais, où, et malheureusement, évidemment, le défaut, c'est le fait que ce soit pas rejouable, par définition. Ouais. Parce que Quoique, parce que moi, je vois, j'ai des enquêtes de Sherlock. Alors déjà, celle-là, je les ai jouées en 85, quand c'est sorti, j'avais 11 ans. Et là, autant dire que quand je les ai rejouées quelques années plus tard, et surtout, je les ai bien toutes ratées. mais j'étais super fier de moi parce que j'étais allé tout ça, j'avais vraiment l'impression d'être un vrai enquêteur. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un jeu super important pour moi. Mais même là, je vois quand on a un jeu auquel qu'on n'arrive pas à finir, que ce soit une enquête de Sherlock, par exemple avec ma fille, une aventure de Unlock, on va s'arrêter. On voit qu'on a vraiment galéré, qu'on ne va pas y arriver. Il y avait eu le sous-marin dans un des premiers Unlock. Vous avez posé problème. On le ressort pas qu'à vous. Deux mois plus tard pour le Unlock ou le truc. Bah, franchement, en deux mois, on a fait des choses. On rejoue, il y a des endroits, on va se dire « Ah oui, c'est vrai, là, il y avait ça, ça va aller. » Et puis, on va, alors, pas le rejouer, mais on va le retenter. Et une mi-pause, parce que sinon, vous êtes mort asphyxié, là. C'est ça, on reprend tout à zéro. Les autres sont morts, hein. On est l'équipe de secours. L'équipe de... Alors, vous allez voir autour de la table que ça devient... Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un regain aussi? On parle d'un regain un peu jeu de rôle. Il y a un marché, surtout. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a un
une envie de narration. Donc le narratif est aussi dans les jeux de société. Et forcément, quoi de plus narratif, entre guillemets, qu'une enquête, hein, des suspects à analyser, etc., etc. Et du coup, des jeux d'enquête, bah, y a largement ce qu'il faut. Il y a de la proposition et à tout plein de niveaux différents, hein, du plus petit court, que vous avez en pocket, plus écrit avec une application ou pas, avec des sites internet développés, avec du matos et on vous dit rien, débrouillez-vous. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a des éléments dans, on retrouve le journal dans Bureau of Investigation, l'annuaire, la carte. Il y a des éléments, des factures, des trucs comme ça et tout. Elles sont imprimées et pas à part où on pourrait les toucher. C'est voulu. Alors, il y a deux choses. Il y a dans les enquêtes, dans la plupart des enquêtes, il y a des éléments qui sont collés parce qu'en fait, les informations qui sont dessus, on va les voir directement et c'est des choses assez simples, genre des factures et choses comme ça. D'accord. Et il y a quand même une des enquêtes qui où est… il y a une surprise, on va dire. Genre, j'en ai pas plus. Ah oui, donc des éléments à manipuler, il y a. Oui, il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe qui est très grosse, qui est comme ça. D'accord. Parce que je pense à ça, parce qu'effectivement, elle est dedans, et c'est un peu le principe qui a été développé et traduit en français par Henry Games avec les flammes d'Eberstein, où effectivement, tu ouvres la boîte, tu as des tas de trucs, tu as un dossier de police, des éléments, et puis bah, débrouille-toi, vas-y, fais les fils, fais les connexions. Quoi. Et là, du coup, on est sur une espèce d'enquête où tu t'y crois aussi. Parce que, on va même sur Facebook pour aller choper, se renseigner sur quelqu'un. Le truc est hyper réel. Sur un vrai Facebook ? Ah oui. Ça, nous, en game design, on craindrait ça. Hein, parce que être sûr que dans 10 ans, le site dont tu as besoin, il est encore en ligne. Ah, il a raison. Sûr. Parce que nous, on aurait craint de faire ça. Une personne malveillante dénonce à Facebook le fait que ce n'est pas un vrai genre. Et l'oblige à prendre notre nom et… Je suppose qu'il y a quand même quelques… Enfin, que Facebook… Enfin, je ne sais pas s'il n'y a pas un truc qui doit être carrément au courant. C'est chaud parce qu'en plus, il a absolument raison. Croc, il y avait In Memoriam qui avait fait ça sur PC avec, je crois, Ubisoft ou un truc comme ça. Ils avaient fait des faux sites, les mecs, avec des trucs mais stratosphériques pour l'époque. C'était un truc de ouf. Et maintenant, il n'y a plus de sites. Il n'y a plus rien, donc tu as ton Memoriam, à part le football derrière, il ne sert à rien. Quoi. Alors, ça veut dire que tu ne peux pas y jouer, il faut espérer que tu aies eu le temps d'y jouer. La collection, parce qu'il y en a quand même trois, Détective, qui du coup est chez Yellow Asdor Expert en 2019. C'est le jeu Portal, à la base. Oui, c'est Portal, localisé, tu as raison. C'est Portal. François. Vienna Connexion, qui est le deuxième et le troisième qui va arriver, qui est dans l'univers de Dune. Excuse-moi, Guillaume, le troisième va arriver dans l'univers de Batman, c'est le quatrième qui sera dans l'univers de Dune. Il y a Batman entre les deux. Mais là, mener l'enquête. Hein. Oui, j'ai raté un indice. Déduction zéro. Et ben, il n'empêche que tout ça… Alors, pour ne pas être sur Facebook et autres, les sites sont dédiés, mais quoi qu'il en soit, dans 20 ans, où seront-ils? On ne sait pas. Mais bon, alors, effectivement, c'est là où le côté one-shot, malgré tout, démocratisé aussi par Unlock côté Space Cowboy, c'est aussi le risque pour Unlock. Hein. Je ne peux pas assurer que dans 10 ans, il y a l'appli puisse. Mais direct sur Facebook, je trouve ça plus risqué que ce qu'ils ont fait eux. L'appli d'Unlock, on peut y jouer en offline. Donc à partir de malgré tout, une fois que est-ce qu'elle sera portée, l'iOS il va changer. T'as la problématique de la technologie qui va faire qu'à un moment ça va. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de gens qui ont encore des réticences pour jouer avec des jeux où il y a une appli. Alors des petits jeux, Tarsa, toi tu. Moi j'ai des petits. Tu en as du portable, on a des gros. Oui, moi le jeu d'enquête, je voulais aussi ajouter que je trouve que c'est une excellente porte d'entrée dans le jeu quand on n'est pas très joueur. Ça reste des jeux coopératifs, je trouve, qui marchent le mieux. Oui, et surtout, où tout le monde a un petit peu à prendre, en fait. Et quand c'est un peu comme les escapes et autres. Tout le monde va trouver un petit truc à un moment donné et on est vraiment dans un travail d'équipe. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et tout le monde va avoir son petit éclair de génie et, en fait, contribuer à un moment ou à un autre. Et le côté jouable une seule fois, moi, personnellement, j'adore ça. Parce que je le vois vraiment comme une expérience de jeu. Et c'est tellement stimulant, ils arrivent toujours à se renouveler. Moi, je l'ai dit, Unlock fait vraiment partie de mes jeux préférés, on en avait parlé la dernière fois. Ça se réinvente tout le temps, c'est hyper inventif. Et du coup, il y a plein de déclinaisons, plein de façons de jouer. Ce que j'aime beaucoup, c'est Watson et Holmes. Il n'est pas là sur la table. Il n'est pas là, mais attention, particularité. Il est très particulier parce qu'en fait, vous pouvez le faire en compétitif. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment extraordinaire parce que vous pouvez jouer avec l'autre, il y a de l'interaction, vous pouvez interdire l'accès à des lieux, à l'autre, à des indices, jouer avec des petits jetons. À ma connaissance, c'est le seul jeu d'enquête qui se joue en compétitif.
Alors, parce que normalement... Bah, la première édition de Sherlock Holmes le permettait, mais c'était... Oui, c'est un petit peu... pénible. Pas fumeux, mais pénible. Ouais. Alors que Watson et Holmes, t'avais envie, je ne sais plus, il n'y en a pas d'autres qui arriveront. Ah non, mais là, je suis complètement déprimé parce que c'est là... Là, on a fait un peu la tournée des popotes, hein, on a été présenté notre jeu un peu partout. Et tu es la deuxième personne qui nous dit « Moi, mon préféré, c'est Watson et Holmes ». Et voilà, et le jeu n'a pas marché, il ne s'est pas vendu, et il n'y aura pas de suite. C'est dépitant. Alors, je le présente très souvent. Voilà, mais... Et en fait, je trouve qu'il... Ça n'a pas suffi. Il individualise l'enquête, et finalement, quand on est souvent sur des choses un petit peu ouvertes, on n'interprète pas les choses de la même manière, on ne voit pas les choses pareilles. Et du coup, d'avoir un joueur qui va partir dans une piste, l'autre, on essaye de lui enlever des choses, je trouve que c'est brillant. Et je le fais aussi quand je le stream toute seule, en fait. Et donc, je ne respecte pas cette règle-là, parce que je joue seule avec un chat, et ça reste... vachement prenant, de retourner les indices, de parler à des personnes, d'être quand même un peu logique, parce qu'il y a des indices qui vont moins servir, etc. Donc ça, c'est très, très fort. Vous avez des petites choses. Alors moi, je les aime beaucoup parce qu'en fait, elles sont... c'est du minimalisme de jeu, quoi. Ouais. Et les Sherlock Q systems sont très sympas et vont avoir un petit point commun avec les Crime Zone parce que vous allez devoir écarter des indices, pas trop en prendre. On essaie enfin, vous allez avoir dans le scoring, va falloir en avoir pris le moins possible pour tenter de trouver le plus vite, etc. Ouais. Et je les aime bien. Ceux-là, j'ai aussi pris la trilogie là qui est chez BlackRock Games parce que le premier c'est la trilogie et 50 Clues. Les 50 Clues, voilà, il y a la trilogie Leopold. Et en fait, on est sur de l'escape. Mais complètement mêlé avec de l'enquête. Et je trouve que ça se mêle très bien. Et si je les aime bien, c'est parce que souvent, un petit peu comme on parlait de Bureau of Investigation, on a quand même envie d'avoir des sujets un peu matures, parfois un peu adultes. Ah, et d'être aussi face à des choix qu'on doit faire qui sont un peu lourds, et qui vont quand même impliquer. Ils sont tous matures généralement. Hein. Ils sont tous matures, mais. Après, je vois 16 ans, aussi, ça me choque. Il y a différents paliers quand même. Parce que c'est super mature là-dedans. Chronicle of Crime aussi. Guerre froide. Chronicle of Crime, toujours. Mais c'est vrai que l'illustration laisse présager que c'est pas un petit peu plus, mais en fait c'est bien balèze. Hein. Malgré tout, c'est des crimes à partir du moment où il y a quand même un trafic d'enfants. Il y a un traitement un peu BD dans Chronicle of Crime qui dédramatise un petit peu la propos. Tout à fait. Alors que sur Vienna Connection ou le précédent, la détective. T'es plein dedans. T'es plein dedans. Chronicle of Crimes aussi, l'intérêt du jeu de David Sicurel, c'était que on parlait tout à l'heure de la manipulation. Bon ben dans Chronicle of Crimes, ce qui a été voulu, c'est de pouvoir dire je suis sur la scène de crime, mais j'ai repéré ci, j'ai repéré ça. Et l'application te permet du coup non pas de le toucher parce qu'on te l'a pas donné, mais on t'a donné une carte avec un QR code et que tu vas pouvoir ensuite biper, analyser. Mais le simple fait de mettre le téléphone et puis de se dire ouais c'est comme si j'étais, tu t'imagines presque à t'accroupir et puis aller regarder le sang, voir s'il est encore froid. C'était une nouvelle techno, ils ont joué là-dessus. Il y en a qui n'aiment pas du tout parce que une fois encore, rien là-dedans n'est universel. Mais comme disait Tarsa, C'est complètement une question de goût et puis vous allez les piocher où vous voulez. Moi, là, je tique un petit peu sur le Displus des flammes parce que quand on parle de sujets un peu matures, je trouve que c'est un petit peu jeune, 10 ans, pour jouer aux flammes d'Adlerstein. On aborde quand même des sujets, même au niveau relations humaines. Il y avait de la place. Mais bon, celui-là est sympa aussi. C'est 404 éditions qui fait ça dans le même principe. Un peu Watson et Holmes où vous allez en fait jouer contre Sherlock Holmes qui est donc l'ennemi juré d'Arsène Lupin. Et pareil, vous allez devoir dépenser des tickets pour vous déplacer. Donc on n'est pas tellement dans je reçois tous les indices et puis j'en fais un peu ce que je veux. On est quand même un petit peu limité où on va et dans le temps qu'on a, etc. Donc cela est pas mal du tout. Moi, et puis on a suspect. Oui, vas-y, je t'en prie. J'étais dégoûté de ne pas retrouver une réédition, peut-être vous avez connu parce que c'est les vieux Bricksmart, d'Android en 2008. Sentiment de Blade Runner, tu te déplaçais avec des diagrammes de bolide et t'essayais de faire accuser un mec, tu devais faire accuser, l'autre mec devait faire accuser un autre mec avec des petits points. Jamais traduit, réédité, une merde, c'est dommage. La map a été énorme. Énorme, et enquête, ambiance, Netrunner. Puzzle Game, le petit puzzle truc. Game aussi, Oh là là, putain de jeu ça. Non, on n'a pas parlé de suspect. On va en parler. Okay. Mais quand on parlait de Watson et Holmes, je rebondis là-dessus, on parle que c'est très subjectif, qu'on trouve aussi nos goûts un peu partout. Qu'est-ce qui explique après qu'un jeu, explique qu'un jeu marche pas qui marche pas. Non, je pense que c'est pas qu'il n'a pas marché, c'est qu'il n'a pas marché par rapport à Sherlock Holmes. Comme il était sorti dans les mêmes boîtes, dans les mêmes trucs, on avait des velléités de vente similaires. Et je pense que du fait qu'il y avait un système de jeu un tout petit peu plus compliqué, simplement il y avait un système de jeu, alors que dans Sherlock Holmes, enfin voilà, on ne sait pas. D'accord. Il faut savoir que c'était donc un éditeur espagnol, et il y a une deuxième boîte qui sort,
bientôt. Là, bah, c'est l'autre personne qui avait bien aimé le jeu et qui me l'a dit. Donc, il faut bah, certainement un faire éditeur français va peut-être récupérer. Ou nous, mais je crois pas, je sais pas. Eh bien, Suspect, ben oui, Suspect, oui. C'est Studio H qui fait ça. Ils ont sorti un premier opus qui avait énormément plu. Donc voilà le deuxième qui arrive à la fin mars, début avril. D'accord. Il y a même un troisième qui est en préparation. Ça, c'est ton petit doigt. C'est mon petit doigt qui m'a dit ça. avec des enquêteurs qui seront en Amérique. Voilà. D'accord. Donc, alors, il faut savoir que Suspect, on parlait avec Mousse, avec François, avec vous tous autour de la table de cette diversité de public. Justement, Suspect, il y a eu cette volonté d'une part, en prenant une héroïne un petit peu dans un univers Agatha Christie, d'aller sur quelque chose où la finalité, tu parlais Croc tout à l'heure du chemin ou du point d'arrivée, la finalité dans Suspect, à mon sens, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, elle est plus dans j'ai envie de faire une enquête et ensuite d'en connaître les tenants et les aboutissants, plutôt que d'avoir un système de score qui va de facto me classer en je suis bon, je suis peut-être pas bon, etc. Et l'avantage de Suspect, c'est fais-toi plaisir. C'est en ça que c'est réussi, c'est un bouquin. On lit le bouquin, on y participe. On lit le bouquin en participant, etc. etc. Et donc, du coup, on est une fois encore dans une petite innovation, en tout cas une petite digression sur la façon de mener l'enquête. Moins score, entre guillemets. Il n'y a pas de temps. Fais-toi plaisir si tu as envie de retourner toutes les cartes. Il y a quand même un système de score. Oui, mais parce que. Oui, parce qu'il y a des gens qui le veulent. Mais si tu as envie de regarder, de lire tout et de découvrir tout, eh ben, vas-y, et puis voilà. Mais c'est leur projet, c'est d'explorer des contextes, des personnages, voilà, c'est de nous mettre dans cette histoire-là. Alors là, il y a des nouveautés mécaniques dans celui-là. Ouais. On peut connecter des bulles pour déclencher des conversations, etc. Ouais. On va avoir un annuaire téléphonique, voilà. Voilà, suivre en temps réel le marathon. Et donc, c'est. Ouais, j'ai hâte de l'essayer, celui-là. Et sur la boîte 2, un des auteurs est aussi l'auteur de Time Story. Time Stories, alors du coup, Time Stories narratif, pas vraiment enquête, même s'il y a de la méta. Non, techniquement non. On est d'accord. Mais le point commun, c'est entre guillemets, le fait que ça raconte une histoire et que ça soit pas rejouable, évidemment. Donc, en ça, il y a quelques scénarios aussi où c'est le cas et de Time Stories aussi mais et je trouve le truc positif dans les jeux d'enquête et dans tous ces jeux là c'est que autant d'éditeurs qu'il y a on se fait pas concurrence parce que une boîte de Nlock qui sort un week-end, elle est jouée, donc on passe à un autre éditeur. Et puis nous, il faut qu'on joue à un truc aussi. Ça, oui, en plus, on peut jouer aux jeux des autres, parce qu'on ne peut pas jouer à ses propres jeux. Bah oui, bien sûr. Cette boîte-là, on va dire, en 5 week-ends, c'est fini. Alors, donc après, on va jouer à Chronicles of Crime. Et puis, évidemment, il y a des préférences d'un système de jeu par rapport à un autre. Mais en fait, c'est le seul loisir où il n'y a pas de concurrence. Pas, presque pas. Et plus il y en a, plus les gens vont avoir envie d'y jouer en théorie. Jusqu'à peut-être un ras-le-bol, mais bon. On est toujours surpris. Ça se réinvente toujours. Je trouve qu'il y a tout le temps des surprises et c'est tout le temps un grand plaisir, ce genre de jeu. Et il y en a beaucoup des surprises parce qu'on pourrait reparler de Witness, cet objet ludique non identifié chez Istari, où il fallait refaire l'enquête, mais en se chuchotant les indices d'oreille en oreille, etc. On aurait pu parler de Holding On, la vie trouble de Billy Kerr, où là, l'enquête n'est pas à résoudre, mais c'est juste qu'on a quelqu'un qui est dans le coma, il va falloir fouiller dans son passé pour découvrir et l'aider. Micro-macro, Crime City, est-ce qu'on est dans de l'enquête? Bah oui, on remonte le temps, mais François n'est pas d'accord. C'est de l'enquête. Jeu de déduction, si vous le voulez. Et puis, il y a les BD dont vous êtes le héros, du côté de chez Macaca. Il y a toute une collection Sherlock Holmes où la BD est en fait de faire une enquête. Et il y en a même une où c'est à plusieurs. On est les francs-tireurs de Baker Street, on connaît, on a chacun son petit livret. Bref, des jeux d'enquête, je pense que nous n'avons pas fini d'y jouer. Et en attendant, nous arrivons au bout de cette émission de ce Trick Track Show. Vous avez découvert un petit peu plus autour des jeux auxquels on a joué, autour de Bureau of Investigation avec Croc et avec Grégory Privat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé cette heure et quelques avec nous. Merci à vous. Bah non, mais vous avez donné de votre personne. Merci à chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table, Tarsa, Mousse, François, de m'avoir accompagné. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Et à mon avis, gardez-le bien au chaud, parce que d'ici quelques temps, quand les gages vont arriver, il y en a qui vont pas avoir l'air bêtes.